Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du mardi 24 mai 2022. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux des 9 et 16 mai 2022. En 4, dépôt du certificat relatif à la renonciation des personnes habiles à voter à la tenue d'un scrutin référendaire pour la résolution 119-2022. En 5, adoption du projet de résolution 243-2022 relative à la demande de projet particulier de construction aux 2 rues du Faubourg. En 6, adoption du projet de résolution 244-2022 relative à la demande de projet particulier de construction aux 59 rue Saint-Henri. En 7, rapport de la greffière adjointe et décision du Conseil concernant la demande de dérogation mineure pour l'immeuble à construire au 41 rue Laval. En 8, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 124-132 rue La Fontaine. En 9, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 190 rue Fraser. En 10, acceptation de soustraire le propriétaire du 122 rue Amiotte à l'obligation d'aménager 2 cases de stationnement. En 11, résolution amendant le règlement d'emprunt 2090 concernant le pavage afin d'augmenter le montant de la dépense. En 12, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2098 concernant la circulation et le stationnement. En 13, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2099-2, modifiant les règlements de zonage 1253 et de lotissement 1254 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 14, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2100, amendant le règlement 1237 afin d'augmenter le fonds de roulement. En 15, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2101, décrétant une dépense et un emprunt de 246 721 $ pour la construction d'un bloc sanitaire et la réfection d'un mur de soutènement au Parc des Princes. En 16, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2102, décrétant une dépense et un emprunt de 2 875 502 $ pour la construction d'un lien piétonnier entre le Parc de la Croix et le Parc des Chutes, ainsi que des travaux de sécurité à la voie ferrée. En 17, adoption du règlement 2103, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 18, acquisition du lot 4 059 258 avec Revenu Québec et offre d'acquisition d'une parcelle du dit lot à la société Mario Chapdelaine Incorporée. En 19, approbation d'un projet d'acte de servitude à intervenir avec gestion David Dubé Incorporée, Lise Fidion et André Dubé. En 20, approbation d'un projet de bail à intervenir avec les cultures J. Pelletier Incorporée. En 21, approbation d'un projet d'acte de droit d'usage temporaire à intervenir avec Mme Marie-Noëlle Cyr. En 22, acceptation d'un protocole d'entente à intervenir avec Espace Centre-Ville pour la tenue du projet La Festive. En 23, renouvellement des protocoles d'entente relatifs à l'aménagement des terrasses au centre-ville. En 24, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le regroupement d'artistes Voir à l'Est, Art contemporain et la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand Portage. En 25, autorisation à vendre et servir des boissons alcoolisées au chalet de la Côte-des-Bains lors de la présentation de spectacles. En 26, approbation d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup CSN, division Colbleu. En 27, approbation d'un contrat de travail à intervenir avec Mme Jessie-Carole-Anne Michaud. En 28, confirmation des contributions financières versées dans le cadre du programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier. En 29, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Aide aux immobilisations, volet réalisation de travaux de restauration d'un bien patrimonial immobilier. En 30, autorisation de procéder à un emprunt en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2090, travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour 2022. En 31, autorisation de procéder à un emprunt en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2092, réfection de la rue Jolie entre les rues Desjardins et La Fontaine. En 32, autorisation de procéder à un règlement à un emprunt en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2093, réfection de la rue Saint-Elzéor entre les rues Saint-Pierre et La Fontaine. En 33, emprunt au fonds de roulement pour financer des projets d'investissement. En 34, contribution financière ponctuelle versée à l'Association féministe et d'éducation et d'action sociale, la FEAS. En 35, contribution financière à la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup. En 36, appui au projet de dragage d'entretien au quai de Rivière-du-Loup.
En 37, appui à la société portuaire dans le cadre de leur stratégie de développement. En 38, remise de bourse au prix personnage 2022. En 39, achat d'un couvert pour le souper du 50e anniversaire de la fondation de la FEAS de Rivière-du-Loup. En 40, condoléances au conseiller Nelson Lepage à la suite du récent décès de son beau-père. En 41, avis de motion, règlement 2103, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. En 42, période de questions. En 43, levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur pour l'ordre du jour. Steve Drapeau propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Avant de continuer notre séance régulière, je vais inviter M. Gérald Tremblay et Pascal Tremblay à faire la présentation justement le point là, qu'on a ce soir. C'est le point 16, si je ne me trompe pas. Le point 16, dans le fond, c'est le lien piétonnier entre Saint-Ludger et, si on veut, le parc de la Croix. Fait qu'on trouvait important de vous le présenter en amont. Fait que c'est pour ça que nos deux directeurs sont avec nous ce soir pour faire la présentation. Il y aura une période de questions là, possible là, à la fin de la présentation, soit de Gérald ou de Pascal, si vous voulez des questions d'éclaircissement ou autre. Fait que je vais laisser... c'est-tu Pascal qui commence? C'est Gérald. Fait que M. Tremblay, la parole est à vous. Et bonsoir tout le monde. Pascal, tu peux nous présenter... Ça va. Il faut juste être patient. Bon, mais... Bon, en fait, on va prendre le temps de vous présenter un peu l'ordre du jour. Pas très long, mais quand même, il y a beaucoup de choses. Localisation du projet, l'historique un peu de la voie ferrée à Rivière-du-Loup. La voie ferrée comme telle, les responsabilités, il y a beaucoup d'intervenants là-dedans. C'est important de bien comprendre la dynamique de tout ça. La demande du CN de sécuriser les lieux, on va en parler en détail, les plans du projet préliminaire, la bonification du projet, la nature des travaux, le coût, l'échéancier de réalisation, la période des questions. Bon, la passerelle qu'on veut construire se situe entre le parc de la Chute et le parc de la Croix. On voit ici la ligne rouge sur l'image, c'est là où sera située la passerelle. Pour vous situer un peu, c'est important de comprendre un peu la disposition des voies. Vous voyez qu'il y a deux voies, une voie qui s'en va vers le haut de l'écran et une autre un peu plus bas. Celle qui s'en va un peu plus bas, c'est la voie qui appartient à la ville. Donc, c'est une des voies que nous avons la responsabilité, nous, à la ville. Et l'autre, c'est celle du CN qui se dirige, il y en a deux, en fait, qui se dirige vers l'est, qui sert au transport des matériaux et des passagers. On arrive, on voit aussi la chute et le barrage. Là. Vous pouvez un peu juste vous situer pour être bien sûr là, de bien comprendre tout au long de la discussion, particulièrement lorsqu'on va vous présenter les plans. Donc, c'est là exactement où on veut positionner la passerelle. Peut-être préciser aussi, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le parc des Chutes, par exemple, que la portion que la passerelle viendrait, qui serait reliée, dans le fond, au parc de la Croix, par la passerelle, c'est une portion qui est présentement plus ou moins développée, utilisée. Il y a un sentier qui se rend comme tel là, du haut de la chute jusqu'au barrage. Donc, c'est un espace là, qui sera aménagé. On donnera les détails là, par la suite. Peut-être faire une petite historique, loin de moi la prétention d'être historien, puis n'étant même pas natif de Rivière-du-Loup, je ne suis pas catois, ce n'est pas si pire, c'est pas trop loin, mais je voulais quand même prendre le temps de situer le projet dans l'histoire. Vous savez probablement tous que la ville s'est développée à la fin du 19e siècle, surtout, et là, j'espère que ma collègue Julie Martin au patrimoine me corrigera si je me trompe. La ville de Rivière-du-Loup est intimement liée au développement de l'industrie ferroviaire, forestière aussi, mais ferroviaire beaucoup. C'est sûr que dans le secteur de la gare, dans le secteur de la rue Témiscouata, dans le secteur où se trouve actuellement le pont ferroviaire, il y a toujours eu là, historiquement, une activité économique, commerciale très forte. C'est ce pourquoi on se retrouve avec
une rue Témiscouata très, très densément habitée, qui a connu, il y avait toutes sortes de choses dans le temps, aussi toutes sortes de commerces. Il y avait même une gare de ce côté-là, si je ne me trompe pas. Bref, il y a eu du développement du côté de la rue Témiscouata et évidemment, à un moment donné, création de la paroisse de Saint-Ludger. Puis, dans les années 60, période massive de développement, bien massive, ça s'est fait par étapes. Il y a eu beaucoup de développement immobilier jusqu'à encore aujourd'hui où on continue de développer jusqu'au parc industriel, mais aussi là, un petit peu plus vers le sud avec le projet Royal Sud. Donc, c'est tout un secteur, ça, qui est apparu, je dirais, peut-être un peu plus récemment, donc qui vient confirmer le besoin aujourd'hui de relier un quartier quand même, je dirais, pas densément peuplé, mais il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de résidences familiales dans Saint-Ludger, comme vous le savez. Il se trouve actuellement être un peu enclavé. Hein? Vous connaissez les voies pour aller au centre-ville. Bien, si on ne passe pas par le pont d'Amour, en fait, on doit passer par le pont d'Amour. On sait qu'il y en a d'autres qui utilisent d'autres moyens. C'est malheureusement, on comprend l'intention, mais ce n'est pas très sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui à parler d'un projet de liaison, donc de lien piétonnier là, entre les deux parcs et les deux quartiers. Bon, la voie ferrée, c'est une. En fait, elle est située elle passe dans le centre-ville de Rivière-du-Loup. Bon, elle est enclavée de part et d'autre. Elle appartient au CN. C'est la propriété du CN, sauf la portion dont je vous ai mentionné tout à l'heure dans le parc industriel qui nous appartient. Le Canada National, c'est privé, donc ils ont tout le loisir de nous dicter avec les lois de Transport Canada ce qu'on doit faire pour sécuriser leurs activités. Le Transport Canada, c'est eux et celles qui font les lois. Nous sommes, comme le CN, assujettis à ces lois-là. Donc, c'est quand même assez restrictif. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une voie? Il y a très peu de choses à part le transport qui peut être fait là. Donc, la sécurité est très élevée. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est ici. Il y a un corps de police du CN. Le CN a sa propre police qui émet des amendes. Ils en ont fait, ils font régulièrement, mais lorsqu'ils sont venus nous visiter tantôt, j'en parlerai plus en détail, ils nous exposaient la problématique et les amendes, le nombre d'amendes qu'ils avaient émis à ce moment-là. Puis bien sûr, une voie ferrée, bien, c'est un lieu qui est très accidentogène, là, particulièrement dans le cas qui nous occupe où les trains sont souvent arrêtés de longues heures. Pour des activités là, que je ne pourrais pas décrire, mais le CN a souvent des trains arrêtés sur la traque et le pont de train qui se rendent jusque derrière, jusque vers en direction de Saint-Modeste, là, tout le long du parc de la chute. Là. Donc, c'est une situation qui rend le problème davantage important de notre côté. Bon, le CN, comme je l'ai dit, est responsable de ce qui arrive sur sa propriété. Ils ont été tolérants. En tout cas, c'est ce que le policier du CN qui est venu nous rencontrer il y a quelques années, je crois que c'est en 2019. Je n'ai pas la date exacte, là, mais il y avait un niveau de tolérance qui avait été accepté jusque-là. Mais la situation, un peu, j'imagine, avec tout le développement de Saint-Ludger et la proximité du parc de la Chute, on fait en sorte que ça a créé beaucoup de mouvements de piétons dans le secteur. La ville de Rivière-du-Loup, elle a l'obligation de sécuriser les citoyens de la voie ferrée. C'est à nous la responsabilité de sécuriser les citoyens de la voie ferrée. Donc, le CN, à ce moment-là, nous avait demandé formellement de nous rencontrer pour nous exposer le problème. Il nous avait fait part un peu du... je n'ai pas le nombre en tête, là, honnêtement, mais il nous avait part du nombre de citoyens qui passaient dans le secteur et c'était quand même relativement important. Il nous mentionnait aussi que dans les jours à venir, il allait intervenir, faire de la sensibilisation, mais que formellement, éventuellement, il allait rapidement émettre des amendes pour revenir aux amendes, finalement, pour dissuader les gens d'intervenir. Et c'est sûr que nous, ne connaissant pas toutes les lois et règlements à l'époque, on était un peu surpris que ces gens-là nous demandent ça, mais on a rapidement compris que la sécurité de la voie dans une ville appartient à la ville dans laquelle se déploie cette voie-là.
Ce qui fait qu'on a regardé avec eux, on a discuté de façon informelle de différents scénarios. C'est sûr qu'il y a toujours l'aménagement de notre clôture qu'on avait réfléchi à ce moment-là. On aurait pu interdire aux citoyens de Rivière de Saint-Nudgé de passer là en érigeant une clôture là, tout le long du parc industriel, le long de la voie ferrée de la ville. Ça aurait probablement pu en dissuader un certain nombre. Il y avait aussi une traverse à niveau qu'il fallait refaire. On aurait pu aussi faire des traverses à niveau du côté du CN, de la voie du CN, pour amener les piétons à traverser. Ça se fait ailleurs, c'est pas un problème, sauf que dans le cas qui nous occupe, étant donné que les wagons sont stationnés sur la voie, ben on ne peut pas penser faire une voie, une traverse à niveau pour les piétons, parce que ça, les gens arriveraient devant un wagon et inévitablement seraient invités à passer entre les wagons. Et ce que les gens du CN nous disaient, à partir du moment où la personne dans la locomotive qui est le conducteur, il n'y a pas de vision lui, derrière de ce qui se passe, il n'y a pas de signaleur qui lui indique que tout est clair ou pas. Donc c'est vraiment lorsqu'il part un peu à l'aveuglette sans savoir trop ce qui se passe dans les wagons, et il y a un risque élevé de problèmes. Il y a aussi le secteur du ski de fond où là, on a une traverse on a des travaux à faire, il faut le sécuriser parce qu'elle n'est pas conforme, parce que nous aussi, on est assujettis aux mêmes voies que le CN vis-à-vis le Transport Canada, donc on a des correctifs à faire, c'est des problèmes qui nous ont été soulevés à ce moment-là. Peut-être juste préciser aussi, les gens vont peut-être s'en rappeler, il y a une section de clôture qu'on a fait derrière l'édifice Rosaire-Gendron il y a 2 ans à peu près. C'était suite aussi à ces rencontres-là, à ces demandes-là, où on nous a demandé également de sécuriser ce secteur-là. Donc, on est comme rendu dans la deuxième phase de sécurisation de la voie ferrée. Merci. Et il faut comprendre aussi que, c'est parce que pour la Ville, on veut transformer cette obligation-là en une opportunité. On peut pas, mon collègue le disait, là, il y a quand même, on le sait, il y a beaucoup de gens qui traversent à cet endroit-là et ça fait quand même ça fait longtemps que ça existe. Pour nous, c'est un signal qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de mobilité, il y a un besoin de circuler, il y a un besoin de connecter des quartiers de la ville. On peut pas, on considère pas logique, sensé de simplement venir mettre une clôture tout le long puis dire c'est fini, restez chez vous ou prenez votre voiture pour prendre le pont d'Amour. Il fallait essayer de trouver des solutions. Il fallait essayer de, justement, dans des objectifs aussi de développer le transport actif sur le territoire de la ville. On avait là une belle opportunité à saisir pour améliorer les choses de façon marquée. Alors, voilà. Je le disais, connecter 2 parcs, mais c'est surtout 2 quartiers parce qu'on veut connecter le centre-ville avec ça. Donc, c'est pas rien non plus. On veut faciliter là, l'accès au centre-ville pour les gens dans le secteur Saint-Ludger. Et bien entendu, on en avait déjà parlé, on le répète ce soir, dans le montage financier du projet, il y a quand même une subvention très importante d'au-dessus de 500 000 $ qui nous a été confirmée. Donc ça, c'est une subvention qu'on va avoir pour ces travaux-là. C'est une enveloppe, en fait, c'est du gouvernement du Québec, ça provient du Fonds vert pour les initiatives en transport durable. Alors, c'était important de le prendre en compte dans le calcul du projet. Dans les premières étapes là, pour planifier le projet, les ingénieurs de TR3E et les architectes Cardin et Julien ont travaillé là-dessus, ont regardé les besoins, ont analysé le terrain surtout, qu'est-ce qui était possible de faire. Puis, étant donné qu'on est dans un secteur boisé, qui jouit d'une belle, comment je dirais ça, c'est pas une protection au sens formel du terme, on veut limiter les interventions dans le parc des chutes, il fallait en tenir compte de ça aussi. C'est pour ça que des professionnels comme ça ont été mandatés. Ce qui a été proposé, c'est que tant qu'à faire une passerelle, au lieu de faire une passerelle, comme par exemple ce que vous êtes habitué de voir sur la rivière pour l'accès à la chute dans le secteur Frontenac, il a été proposé de faire quelque chose qui serait finalement disponible pour tout le monde, qui servirait aussi de lieu de rassemblement, pas juste de lieu de transit. À cette structure-là, on propose une signature, vraiment quelque chose d'unique, là, quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. C'est pas juste un pont, c'est pas juste une passerelle. Vous allez voir tout à l'heure, on veut vraiment ajouter une signature à la ville de Rivière-du-Loup. On veut finalement se retrouver à faire parler de nous pour la beauté de cet ouvrage-là,
puis à quel point, quand on visite Rivière-du-Loup, bien, les gens peuvent être amenés à aller voir cette œuvre-là. Je parlais de composantes structurelles innovantes, ajout de mobilier urbain pour favoriser les rencontres, donc pas juste un lieu de passage, mais aussi un lieu de rassemblement. Vous allez le voir sur les images, il y a aussi des postes d'observation qui sont prévus. Et l'aspect important dont on va moins parler ce soir, mais il fallait penser dans l'avenir, tant qu'à faire un projet comme ça, est-ce que plus tard, si on voulait aller un petit peu plus loin, on pourrait prolonger cette structure-là ou est-ce qu'on pourrait la bonifier pour permettre, par exemple, aux personnes à mobilité réduite de pouvoir concrètement faire le passage entre la rue Sainte-Claire et... rendu là, ça serait le... Ouais, ça serait presque la Miotte, oui. Donc, voilà, ça, c'est prévu, mais pas dans la phase actuelle. Alors, je parlais d'images, comme une image vaut mille mots. En voici une première pour l'implantation de la structure. Je vais laisser mon collègue Gérald en parler. Bon, on voit un rayon ici, une boucle là, qui, elle, se situe du côté du parc de la Chute. De l'autre côté, en haut de l'image, c'est l'accès qui se fait à la passerelle à partir du parc de la Croix. La traverse ou la passerelle se prolonge au-dessus de la voie ferrée, des deux voies ferrées, autant celle de la ville que celle du CN, pour arriver à ce rayon, à un point de vue qui nous permet de voir là, du côté de la rivière, du fleuve et de la rivière. Une vue exceptionnelle. On va voir des images tantôt qui sont assez représentatives selon nos professionnels de ce qu'on pourrait voir. Et on a aussi une passerelle en cercle qui nous permet d'avoir l'accessibilité qu'on souhaitait, qui était une accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous prend une pente qui est de 1 dans 20 maximum. Donc, on ne pourrait pas, pour pouvoir considérer être universel, il faut vraiment avoir ce type de pente-là. Donc, on est à rechercher un grand rayon qui nous permet de descendre le long du au niveau du sol pour éventuellement rejoindre les sentiers. Ce dont parlait Pascal tout à l'heure, la phase 2, ce qu'on souhaite faire dans la phase 2 et on a vraiment exploré l'idée parce qu'on se disait si on amène des gens à un endroit sans qu'ils soient capables d'aller plus loin, à quoi bon d'avoir ce type d'installation-là? Donc on a vérifié si on était capable de respecter le 1 dans 20 à partir de la passerelle, aller jusqu'au on le voit pas dans le bas de l'écran, mais de la passerelle qui passe, non pas la passerelle Frontenac, mais la passerelle qui passe sur le barrage proprement dit. Si on était capable avec un sentier sinueux de respecter le 1-20 et on est capable. Donc, le projet a pris son sens à ce moment-là parce que donc on serait capable d'amener des gens, des mobilités réduites, des gens qui ont plus de difficultés à se déplacer du parc de la Croix aller jusque, comme le dit tantôt Pascal, au centre-ville. Donc ici on a une vue qui est de profil, on voit un peu à quoi ressemble la dénivelée, une faible dénivelée. Bon, on ne voit pas les voies ferrées, mais vous pouvez les imaginer où ils sont et on sort du côté du parc de la Chute. Ça, c'est une vue en direction nord. On voit un peu, on est probablement en début de parcours à partir du parc de la Croix. On voit une vue en direction nord. On voit un peu la largeur. On souhaite avoir une largeur suffisante pour être capable de la déneiger avec nos équipements de déneigement parce qu'on s'est dit qu'une installation comme ça devait être fonctionnel 12 mois par année. Donc, la structure est capable de porter le poids de nos équipements, mais aussi, on a aussi l'espace à circuler, à travailler avec nos équipements. Donc, ça, c'est un des critères. On a ici le point de vue du côté nord, là, où on voit un peu les bancs que parlait Pascal tout à l'heure, où on peut s'asseoir, regarder un peu la vue, profiter du décor. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nos professionnels nous ont mentionné que c'est une vue qui est assez représentative de ce qu'on pourrait voir à partir de la passerelle. On a fait on a pris des images à partir de drones et on a utilisé ces images-là là, pour construire cette photo-là. Ça, c'est l'autre point de vue du côté de, je dirais, Saint-François, où on a un petit parapet qui nous permet de voir la vue de l'autre côté. Et ce qu'on voit dans le haut de l'écran, là où la... Oh, pardon.
la dame qui boit, et moi, je réponds mon nom, c'est la passerelle qui descend, là, le rayon de passerelle qui descend, qui nous amène vers le parc. Et vous voyez un peu la pente, à quoi ça pourrait ressembler. Donc, c'est tout ça nous permet de dire que c'est une passerelle à mobilité réduite et qui est universelle. Bien, merci pour la présentation, chers collègues. En fait, c'est ça ce qu'on voulait faire, nous, avec ça, c'est de conjuguer l'aspect de sécurité, donc le sécuritaire, avec le spectaculaire. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une part d'audace qui a été, dont les firmes d'architectes et d'ingénierie ont fait preuve. Nous, ça nous a parlé. Donc, on veut faire... pourquoi je prends la parole ce soir aussi, c'est pour vous montrer à quel point, pour nous, communication, c'est important, comme carte de visite pour la ville, pour mettre en valeur la ville, pour l'attractivité de la ville de Rivière-du-Loup. On veut en faire véritablement une fierté locale. On veut que ce soit à la fois quelque chose que les Loupérivois, Loupérivoises vont s'approprier, mais évidemment aussi un attrait pour... toutes les personnes qui vont nous visiter, que ce soit des visiteurs, vous-même dans vos familles ou évidemment les touristes. On veut que ça devienne un incontournable, un lieu à fréquenter. C'est sûr que pour nous, le potentiel sur le plan récréotouristique est assez fascinant. Vous l'avez vu sur les vues. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant à faire de ce côté-là. Donc, c'est sûr que nous, dans nos actions, notamment aussi en développement économique, quand on travaille avec les entreprises, on le sait, le manque de main-d'œuvre, c'est, on va le dire comme c'est, là, c'est l'enfer, c'est difficile. C'est difficile d'attirer des personnes ici. Nous, ce qu'on veut faire comme ville, c'est contribuer à embellir, améliorer encore plus notre milieu de vie, qui est, ma foi, déjà quand même passablement intéressant, pour continuer à attirer des gens ici. C'est le genre d'action qu'une ville comme Rivière-du-Loup peut faire pour contribuer à la santé de son milieu de vie. Je ne sais pas si de votre côté, le dégât est réparé. On va pouvoir... Est-ce que le micro fonctionne? Oui, il fonctionne. Fonctionne, parfait. Bon, au niveau des travaux, écoutez, ce ne sont pas des travaux qui sont très complexes. C'est sûr que, bon, j'ai marqué déboisement ciblé. J'insistais pour en parler de déboisement parce que c'est certainement une question qui aurait été un élément de préoccupation. C'est sûr qu'on veut minimiser la coupe d'arbres, principalement lorsqu'on arrive en bas avec les passerelles. C'est une des premières choses avec lesquelles on va discuter avec l'entrepreneur de façon à ce qu'on n'ait pas du déboisement inutile. Donc, on a cette préoccupation-là, on veut juste vous en faire part. Bon, ensuite, c'est sûr qu'on va avoir la construction des assises de part et d'autre, les culées qu'on appelle, de la voie, de façon à ce qu'on puisse asseoir la passerelle. Il va y avoir le déploiement de la passerelle qui va se faire à l'aide de grues. La méthode de construction, on ne la connaît pas encore. On n'a pas sélectionné l'entrepreneur, comme vous pouvez l'imaginer, on n'est pas encore en appel d'offres. Ensuite, il va y avoir la construction des descentes vers le sentier existant, qu'on a vu un peu le rayon de courbure qui nous amène en bas dans le parc. Et on va quand même ajouter une clôture pas aussi longue qu'on l'avait pensé initialement si on n'avait pas eu de passerelle. Du côté du parc industriel, le long de notre voie à nous ferrer, afin d'éviter de détourner les gens vers la passerelle. Et plus tard, on aura un aménagement aussi à passage à niveau où sera fait... ça aurait été fait de toute façon, où sera fait... Où passent les skieurs de ski de fond l'hiver, là. Comme je l'ai mentionné tantôt, cette passerelle-là est désuète maintenant, il faut la mettre à niveau. Au niveau des coûts, la passerelle et la rampe est évaluée par nos professionnels à 2 millions. Lorsqu'on a démarré le projet, on avait évalué ça à 1,5 million. On était parti d'une ancienne évaluation d'un projet qu'on avait étudié en fin des années 2010. Début des années 2010. On avait une estimation qui était autour de l'ordre d'un million, 1,1 million, si je ne me trompe pas, mais il n'y avait pas de descente universelle comme on l'a vu. Donc, c'est venu ajouter au coût de toute évidence.
Nous, lorsqu'on a fait le budget en 2021 pour le PTU 2022, ben on a réactivé, on a retravaillé ce chiffre-là pour le monter à 1 500 000, mais on n'avait pas encore la rampe en tête. C'est juste lorsqu'on a reçu la réponse de la subvention et lorsqu'on a travaillé le projet qu'on s'est rendu compte de l'importance et de la nécessité d'avoir cette rampe d'accès universel-là qu'un autre 500 000 tout près est mieux s'additionner à tout ça. Donc, au niveau de la signalisation, comprenez qu'on fait des travaux sur la voie ferrée. Le CN va être impliqué très étroitement. C'est leurs signaleurs qui viennent sur place faire les travaux, qui viennent faire la signalisation. Et malgré le fait qu'on fait des travaux autant pour eux que pour nous, on va quand même avoir une facture de qu'on évalue à cet ordre-là, mais qui pourrait être aussi plus. On verra. On a des discussions avec ces gens-là dans les prochains jours. Au niveau de la traverse à niveau que je vous mentionnais tout à l'heure dans le parc industriel pour les skis de fond et aussi les fat bikes, les vélos de montagne qui circulent là, il y a aussi des VTT. Donc, on évalue ça à 25 000 $. La clôture de type frost, à peu près 500 mètres linéaires qu'on va mettre, comme on l'a dit tout à l'heure, quand même, pour détourner les gens vers la passerelle, on évalue ça à 75 000. Dans la situation actuelle du marché, normalement, on prend des contingences de plus de 5 à 10 %, mais là, on a mis ça à 19 %. Étant donné la situation du marché actuel, on a vu des hausses exceptionnelles dans les dernières années, là, des deux dernières années dans nos travaux, des choses souvent qui sont difficilement explicables. Donc, basé sur nos expériences, on a mis quand même 20 % de contingences ou 19 % de contingences. Les honoraires professionnels, les gens qu'on a engagés pour faire les travaux font partie de ce règlement d'emprunt-là. Et bien sûr, les taxes applicables là, qui font partie. Donc, le projet total est évalué à 2 875 000. Bon, l'échéancier, on a une date butoir qui pour la subvention qui est en mars 2023, si je ne me trompe pas. Donc, il faut finir les travaux en mars en 2022. Mais c'est principalement pour la subvention, c'était principalement pour la passerelle. Peut-être, moi, j'aimerais peut-être compléter, si vous permettez. Dans le fond, j'ai parlé de qualité de vie tout à l'heure, puis. Ce qu'on veut faire aussi, c'est diversifier les raisons de se promener en ville pour les citoyens aussi. Je parlais des touristes, des visiteurs, c'est une chose, mais surtout après ce qu'on vient de passer, il me semble que c'est le fun de penser, savoir que les gens se visitent, qui font le transit de quartier en quartier, puis qu'il y a une vie urbaine qui se crée autour de ça. Alors, on est convaincu que c'est le genre d'outil qui peut nous aider à réaliser ça. Je parlais de carte de visite pour Rivière-du-Loup tout à l'heure. C'est facile pour moi de voir après ça Rivière-du-Loup dans Facebook, dans Instagram, dans à peu près n'importe quelle plateforme où les gens aiment se mettre en valeur ou aiment prendre des souvenirs de ce qu'ils ont vécu comme belle expérience. Ça, c'est intangible, mais ça a un impact direct sur Rivière-du-Loup parce que 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, ça permet d'augmenter la notoriété de la ville. Puis au final, ça attire des gens ici, ça permet d'avoir un petit peu plus de visiteurs. Puis avec le temps, on se permet d'espérer que les gens seront très, très, très satisfaits de cette œuvre-là. Je voulais faire le parallèle avec des... Il y en a qui me trouvent ambitieux. À Montréal, ils ont le Belvédère sur le Mont-Royal. Il y a tellement de photos qui se prennent là, mais automatiquement, on reconnaît l'horizon de la ville. On sait que ça a été pris à cet endroit-là. Si on le prend un petit peu plus au niveau régional ou dans les environs, regardez ce qui s'est fait à Percé avec la passerelle vitrée qui surplombe la ville. C'est juste incroyable. Ça devient une marque, ça devient une signature. Même chose à Carleton avec l'Observatoire en haut. Tu sais, c'est des choses qui marquent l'imaginaire, qui apporte beaucoup aux gens qui sont en visite, puis qui nous permet vraiment, réellement, de rayonner comme ville. On est convaincu que l'impact de ça, ça va être profitable pendant de nombreuses années. Alors, voilà. Merci. Bien, pendant que Pascal, tu vas installer le lutrin pour les gens, hein? C'est ça. Bien, écoutez, c'est ça, il va y avoir une période de questions. Bien, merci, messieurs, d'abord pour la présentation. Merci, Pascal, pour tes commentaires. Écoute, j'aurais plus grand-chose à rajouter suite à tes propos. Mais je tiens à rappeler, là, tu sais, dans tous les projets qui s'est fait au cours des dernières années, je me souviens, moi, tu sais, il y a 25, 28 ans de ça, Mme Lévesque, quand elle avait parlé, la mairesse, de faire la passerelle Frontenac. À l'époque, là, on parle d'un coût peut-être de 400 000 $, là, il y a 27-28 ans passés. Je sais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça.
Aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'on se passerait de la passerelle Frontenac? Je pense que non. L'aménagement du Parc des Chutes, ça a été la même chose. Le Parc des Chutes, il y a des citoyens, à l'époque, qui ne voulaient pas que la Ville investisse dans le Parc des Chutes pour le développer, puis le garder comme il est là, parce qu'il y avait des coûts d'associés à ça, puis les gens, ils disaient « Ah non, ça coûte trop cher, il faudrait faire d'autres choses. » Mais tu sais, les élus, à l'époque, ont décidé « Oui, on y va de l'avant. » Puis aujourd'hui, le Parc des Chutes, c'est une marque de commerce pour la Ville de Rivière-du-Loup. À même titre, je me suis fait compter aujourd'hui, puis je ne le savais pas, quand la Ville de Rivière-du-Loup a approché pour acheter le puits de Saint-Modeste, à l'époque, là, on recule de longtemps, là, ça coûtait 4 ou 5 millions l'acquisition de ce puits-là. Il y a des citoyens qui ne voulaient pas que la Ville investisse là-dedans. Ils disaient « c'est une dépense, on va augmenter notre dette ». Mais aujourd'hui, si on n'aurait pas le puits de Saint-Modeste, bien, on serait possiblement freiné dans notre développement ou on serait obligé d'aller voir nos voisins pour lui demander de l'eau. Fait que ce que je vous dis, écoutez, c'est un beau projet. On est tous, tu sais, je veux dire, on comprend que oui, il y a des coûts d'associés à ça. Il faut le voir à long terme. C'est sûr que là, ce soir, au point 16, on fait un règlement d'emprunt. Bien évidemment qu'on va suivre ça de proche. Fait que tout dépendant du résultat des soumissions, à l'ouverture des soumissions, on va vous revenir avec ça, puis on va en jaser ensemble. Puis c'est sûr que les élus avec l'équipe administrative vont avoir des décisions à prendre si ça sort plus haut que le prix qu'on s'est mis là. Fait qu'écoutez, je vous lance ça comme ça. Je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Les messieurs Tremblay sont ici encore avec nous. Fait que la parole est à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Bugeaud. Richard Bugeaud. Je peux m'adresser à M. Tremblay, M. Bastille? Lequel des deux? Gérald? Monsieur, je vais l'appeler monsieur parce que faut le respect, tout ça. Oh, oui, je sais, c'est par ces deux, M. Tremblay. OK, je vais revenir tout à l'heure avec la subvention de 500 000. Est-ce qu'on peut reculer, s'il vous plaît, la première photo que vous avez montrée, la ligne rouge pour le... À partir de la croix, quand vous traversez l'autre bord, vous tombez dans un parc avec un sentier. C'est pas développé, cette affaire-là, rien du tout, là. Il y a juste un sentier, ouais. Comme on dit, rough, là, si je vais dans le bois, tout ça, là. Oui. Maintenant, c'est ça. Tout à l'heure, M. Tremblay, vous avez dit que quand on laissait le gars les ramasser d'un wagon, c'était à l'aveuglette. Ce n'est pas vrai. J'ai été 30 ans au CN, je connais très bien mes règlements. Le Transport Canada oblige à laisser un wagon à telle distance d'une consigne de cultivateur au public. Public, c'est plus loin, il me semble, c'est 100 ou 300 mètres en affaire de main. Maintenant, vous devriez aller à Limoilou. À Limoilou, il y a une piste de bicycle qui traverse la voie ferrée de la compagnie White Birch. Il y a des signaux, des flasheurs qu'on appelle, plus des barrières qui descendent quand il y a un train qui vient. Ça serait peut-être plus pratique qu'une clôture. Je vous dis pas que la clôture n'est pas bonne. Maintenant, vous avez parlé d'accidentogène. Dans les 10 dernières années, ici, dans la cour de Rivière-du-Loup, quand les trains rentrent, combien il y a eu d'accidents? C'est toujours une question de gestion des risques. OK, désolé. C'est toujours une question de gestion de risque. Honnêtement, avant de la présence du CN dans nos bureaux 108 Fraser, on n'avait aucune espèce d'idée de danger quelconque ou d'un problème quelconque avec le CN. Donc, on s'est dit pour nous d'intervenir, ne sachant pas le problème. Quand on nous met face à cette problématique-là, il n'y a rien arrivé dans les dernières années, pas à ma connaissance, sous nos voies, mais j'ose croire que les règlements sont faits pour éviter des situations déplorables qui ont eu lieu ailleurs. Et lorsqu'on nous met devant ces faits-là, la problématique, on nous l'expose, bien, ça devient difficile de ne pas intervenir. D'accord avec vous, M. Tremblay, à 100 %. Dans mon travail, j'ai été jusqu'à Chibougamau, j'ai travaillé à Shawinigan, j'ai monté à Montréal sur des trains, j'ai descendu à Moncton, Pemberton, partout. Vous allez mettre une clôture, vous la mettrez à 20 pieds, il y a toujours un imbécile qui va passer à travers, il y a toujours un imbécile qui va vouloir la franchir, tout ça. Vous arrivez à une crossing publique, les flasheurs marchent, les barrières sont descendues, quelqu'un va passer à travers, comme quand on a frappé dans le bout de Ponegamot, puis le gars te dit « je t'ai pas vu, mais t'as un problème ». Vous allez mettre ce que vous... La clôture, je suis pas contre ça, mais... Est-ce que c'est nécessaire à cette période ici? Puis de plus, je remarque qu'un petit peu plus loin, la ville ou le conseil de ville va aller emprunter dans le surplus pour faire d'autres projets, alors que présentement, vous faites une affaire de 2 800 000 et plus, que l'année passée, le conseil de ville a dit que ça coûtait 1 500 000 avec une subvention qu'il était souhaité d'avoir. Puis là, on est rendu à 2 800 000. Puis la dernière fois, M. Bastille, vous m'avez dit, je vous ai posé la question, si le projet est plus dispendieux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous m'avez dit, on verra à ce moment-là.
Ça m'a donné l'impression que la décision est prise, quel que soit le coût, vous allez faire quand même. Puis on est dans une situation économique qui est très difficile. On parle qu'il y aura des récessions, on parle qu'il y aura une récession économique. Puis est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pendant ce temps-là, il y a des rues qui sont dans un état lamentable, qui auraient besoin de surfaçage en surplus et tout ça. Et votre projet, c'est pas méchant, mais c'est pas une période pour ça. C'est pas une période pour ça. La clôture Frosse, vous allez à la mettre, d'accord, là-dessus, mais il y a quelqu'un qui va la franchir pareil. Soyez assurés qu'il y a quelqu'un qui va essayer de couper les barreaux. Oui. C'est malheureux. Puis quand M. Tremblay dit qu'il se doit de plier au règlement du CN, d'accord avec lui, c'est Transport Canada qui exige ça. Puis quand on passe au-dessus de la traque de chemin de fer ou en dessous, il y a des règlements à respecter de Transport Canada. Et, mais est-ce que c'est nécessaire d'aller mettre 2,9 millions là-dessus aujourd'hui? Moi, je pense que non, présentement. Maintenant, votre règlement, est-ce qu'il va avoir une signature de référendaire là-dessus? Oui. Oui, bien, quand on va passer le point, vous allez tout entendre la résolution, effectivement. Et? Oui. Alors, j'ai l'impression, puis quand tout à l'heure, M. Tremblay parlait d'une subvention de 500 000, on a parti d'un 1,5 million, puis on est rendu à 2,9 millions. Ça fait votre subvention. Pendant ce temps-là, c'est les citoyens qui vont payer de l'intérêt là-dessus. Fait que j'ai l'impression que ça va arriver kiff-kiff d'un bord. T'sais. Moi, personnellement, c'est sûr que la subvention de 508 000, bien oui, effectivement. Là, puis c'est ce que j'avais dit, je sais pas si c'est la dernière séance, mais quand M. Tremblay-Gérald parlait, t'sais, nous, les chiffres qu'on avait, c'était 1,5 million. C'est sûr que... au niveau de l'accessibilité universelle, c'est une attention qu'il faut qu'on porte. T'sais, c'est ça qui fait aussi monter le coût. Par contre, la subvention qu'on a venait éponger ça en partie. Mais on a mis 19 % de frais de contingence supplémentaires. Comme on dit, d'habitude, dans les travaux, c'est 5 à 10 %. Là, on a mis plus que moins. Mais écoutez, c'est sûr que l'ouverture des soumissions, c'est là que ça va se faire. Mais vous allez voir dans la résolution, tantôt, M. Bugeaud, là, il y a un processus à faire, là. Le citoyen qui ne veut pas embarquer dans le projet avec nous, il y aura la possibilité de venir le dire puis de s'exprimer pour dire nous, on n'est pas d'accord avec ça. Depuis, M. Bastille, vous savez qu'il s'en vient un nouveau rôle d'évaluation à l'automne. Oui. Puis avec le prix des maisons qui se vendent de ce temps-ci à un prix exorbitant, qui dit augmentation de la valeur de la maison, dit automatiquement augmentation du compte de taxe. Vous êtes venu chercher environ quelques millions la dernière fois, puis il n'y a pas eu d'augmentation de la valeur des maisons, point de vue rôle. La prochaine fois, il y en a qui auront des surprises. Il y a déjà des gens qui ont de la difficulté à arriver. Je pense que, personnellement, de ce temps-ci, moi, je ne mettrais pas une passerelle. La clôture, peut-être, parce que c'est une exigence, peut-être, du CN. Ça, je peux pas... Aussi exigeant que Transport Canada. Oui. Le CN se doit de l'appliquer. Oui. Comme moi, ils m'ont fait appliquer les règlements pendant les 30 ans que j'ai travaillé là. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais présentement, aller mettre 2,9 millions là-dessus, alors qu'on a des rues qui sont en décrépitude, je trouve que c'est un petit peu exagéré, personnellement. Là. Puis il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord là-dessus. Ce que je trouve malheureux, c'est qu'il n'y a pas de monde qui vienne en parler. Ça, c'est malheureux, tout ça. T'sais. Je suis le seul citoyen qui en parle. Moi puis Daniel, on est presque les seuls qui viennent poser des questions ici. Puis quand M. Lavoie, tout à l'heure, M. Tremblay a parlé de subvention, je me disais, regarde, on part d'un 1,5 million, on est rendu à 2,9 millions. Et la subvention de 500 000, là, elle est très longtemps qu'elle est dépensée. Elle est moins pesante, effectivement. Et? Merci, M. Bugeaud. Merci. Moi, je regarde ça comme faux, là. Je trouve que c'est un très beau projet. Monsieur, êtes-vous capable de juste nommer votre nom, s'il vous plaît? Votre nom? Pardon? Votre nom. Ah, excusez, Jacques Charon. OK, merci. Rue des Arabes. Okay. Alors, c'est un très beau projet. Mais le problème que j'ai, nous avons une dette actuellement de 61 millions à la ville, hein? Mm-hmm. Bon. Il faut réparer notre vieux poste de police, là. Ça va peut-être bien coûter 8 millions. On avait la gare maritime, mais ça, c'est un projet qui était oublié. On se ramasse avec la passerelle. En plus de ça, on est pogné dans ces mers, on ne sait pas quel bord ça va prendre. Fait que quand je regarde tout ça, on se dirige vers 100 millions. C'est vers ça qu'on va être peut-être dans 3 ans ou dans 4 ans. Je regarde la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures. Les autres, il y avait une dette de 110 millions. Le nouveau maire qui a pris ça, il y a 7 ans, il a baissé la dette à 55 millions. La madame qui s'est présentée contre lui, elle voulait baisser les taxes, puis baisser la rapidité, disons, à rembourser la dette. Et puis, monsieur... Julot. Pardon? La maire Julot.
Le maire Junot, à ce moment-là, il a été élu, et puis il continue de baisser sa dette, mais tout en faisant ça, étant donné qu'il était trop taxé par la municipalité régionale de Québec, il a récupéré 60 millions. Il a pris 60 millions, il a mis ça dans un compte pour le développement de sa ville, et puis il continue de payer la dette à 55 millions. Alors, c'est là-dessus qu'il a fait son élection, puis il a passé. Oui, puis à Saint-Augustin, ça, c'est... Non, il y a une place là, que ça coûte très, très cher, les taxes en région de Québec. C'est-tu là, à Saint-Augustin, à écouter... Hein? Ancienne avec M. Oui, en tout cas, peu importe. Oui, oui, mais OK. Et lui, là, à l'heure actuelle, il y a un surplus de 5 millions. Mais il continue de payer sa dette, parce que la dette, il dit c'est la dette, on se débarrasse de ça. Maintenant, nous autres, là, à l'heure actuelle, là, quand on regarde ce qui se passe dans les nouvelles, là, quand je regarde l'inflation qu'on a à date au-dessus de 6 % la Ville, vous avez augmenté votre budget de 3,7 ou 3,8. Oui, au niveau de l'administration, bon. Oui. À peu près, là. Ouais. Si on regarde les augmentations qui s'en viennent, là, à ce moment-là, mais qu'on ferme l'année 2022, avec les augmentations de pétrole, puis tout, il y a bien des choses qu'on n'a pas prévues, puis on n'a pas prévu les montants véritables. Probablement qu'au lieu de fermer l'année avec un 2 millions de profits comme on a eu là, cette année, là, ouais, de, ouais. En 2011. 2,4, oui, 2021. En 2000, oui. Alors, à ce moment-là, on va probablement arriver, d'après moi, peut-être pas un déficit, mais on va être proche du déficit. On ne peut pas faire d'argent avec les taxes qu'on a à le moment, même si on a monté de 3,7. On va-tu continuer de monter les taxes indéfiniment? Moi, là, en ville, je ne suis pas un natif de ci, je suis un natif du Témis, mais j'ai toujours participé dans la ville à toutes sortes de choses, des petits organismes, passer pour la guignolée. Je peux vous dire une chose, j'ai eu des dons pour la guignolée, des petites poignées de monnaie. Les gens auraient dû garder leur monnaie. C'est parce qu'ils voulaient peut-être m'encourager dans mes collègues. Et puis, au travers de ça, bien, j'avais un bonhomme de temps en temps qui avait l'air bien ordinaire, mais il me donnait 50 piastres, lui. Mais il y a de la pauvreté à Rivière-du-Loup. Puis ça, ce projet-là, quand j'ai vu le projet, là, je me suis dit, on rêve un peu fort. Okay. Mais, M. Charron, aviez-vous des questions pour les deux messieurs? Parce que non. Au pire, on pourrait échanger à la fin. Je m'adresse à vous. Oui. C'est le responsable de la ville, puis vous êtes les conseillers. C'est bon. Mais je me dis, un jour, les taux d'intérêt, on ne sait pas quel bord qu'ils vont prendre. Le premier ministre du Québec, puis le premier ministre du Canada, il ne sait pas lui non plus. Fait que nous autres non plus, à Rivière-du-Loup, on ne sait pas. Mm-hmm. Mais quel bord ça va prendre? Puis il nous annonce probablement qu'on va peut-être tomber en récession, puis ça va être sérieux. Alors, on arrive avec une dette qu'on n'a pas de besoin. Quand on parle de l'eau, là, comme vous dites, comme vous avez dit tantôt, bien, de l'eau, là, on a besoin de l'eau. Effectivement. Ouais. Alors, le pont, là, puis si le CN, d'après moi, c'est pas je considère pas que c'est une gang de sauvages, là. Ça fait qu'eux autres, on circule, on passe à la petite voie ferrée de service, puis on va faire bientôt aux pattes, là, puis on se promène là-dedans. Il y a des jeunes en bicycle, on s'en revient. Si on brise rien, le CN, on n'entend pas parler d'eux autres. Par contre, si on brise... Oui, là, ça va plus loin que ça. Là. Ils nous ont avertis qu'ils allaient donner des constats. Puis les chiffres que j'ai vus passer, M. Charron, on parle des amendes jusqu'à 750 $ là. Comment? 750. Si vous traversez là, puis qu'il y a une police du CN qui est là, bien, vous pouvez avoir une ticket de 750. Mais quand il y en aura 10 qui auront payé le 750, personne ne va traverser. J'ai pris une photo de... À l'entrée du CN, là. Deux photos. Puis il y en a une, on voit, là, disons, il y a deux barres de métal, puis il y a un cadrage de porte, disons, là. On peut passer en bicycle à pédale, on peut passer à pied. On traverse la voie de service de service. Ça, c'est pas pareil, là, c'est la voie de service là, qui va desservir le parc industriel. Okay. Ouais. C'est moins dangereux, mais ce qu'on voit passer, c'est des jeunes en bicycle, des jeunes qui s'amusent, mais il n'y a personne qui brise, on dirait, là. Puis dans l'autre annonce, c'était marqué « Défense de passer ». L'intrusion sur la propriété du chemin de fer est illégale. Puis il y a le numéro de téléphone pour rejoindre la police. Moi je ne les appellerai pas quand je vois les jeunes qui s'amusent sur ce terrain-là puis qui ne brisent rien. Là. Mais c'est un beau projet.
Disons que je suis contre, parce qu'on n'a pas le moyen de se payer ça en ce moment, surtout avec les imprévus qui s'en viennent, au point de vue économique. Puis la ville, là, on représente les gens qui sont fortunés, on représente les salaires moyens, puis on représente les gens qui gagnent 14 piastres à l'heure. Puis eux autres, on, je peux pas dire qu'ils crèvent, là, mais ils en arrachent. Mmh. Ça fait que j'ai été livré des boîtes pour le guignoler, puis j'en ai vu de la misère. Ça fait qu'il faut arrêter de rêver à un moment donné, parce que c'est sérieux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci, M. Charron. Bonjour à tous, Grégoire Martin. Petit aparté, je voulais juste dire que c'est la première fois que je viens ici à un conseil municipal. Je trouve ça quand même assez impressionnant, d'une pour la personne qui vient au pupitre et puis pour vous qui devez à chaque fois répondre à toutes les questions. Monsieur Tremblay, je voulais savoir c'est quoi la suite du projet. Parce que j'ai cru entendre, je sais que ce soir au point 16, il y a comme un règlement d'emprunt qui doit se faire par rapport au projet. Mais j'ai cru entendre aussi qu'il allait y avoir un référendum, peut-être une consultation. Je ne sais pas, est-ce que c'est des choses qui va arriver ou... Bien, quand on va arriver au point 16, c'est là que ça va être tout énuméré, ce qu'on va faire. Ah, OK. Ouais, dans la résolution, quand la greffière va le lire, la greffière adjointe, ça va tout... Non, c'est ça. Bien, écoutez, c'est parce qu'on... Non, quand on va arriver là. Parce qu'on là, on n'est pas dans... Bien, tu sais, on est en consultation pour ce projet-là, mais restez-vous encore un peu. Bien, oui, mais ouais. Ce que vous dites, ça veut dire qu'on est en consultation dans les prochaines... Oui, bien, c'est parce que tout... Quand on fait un règlement d'emprunt, c'est toujours susceptible à approbation référendaire. Les gens peuvent bloquer un règlement d'emprunt. Okay. D'accord. Ça prend un nombre, là. C'est pas deux personnes, là. Ça prend quand même un nombre. Ce soir, qu'il y a la présentation, il faut peut-être s'attendre à ce que plus tard, il y en ait... Oui, bien, c'est sûr. Il va y avoir un avis public qui va passer dans le journal. Après ça, il y a des délais, puis là, tu sais, c'est ça. Oui, effectivement. Parfait. Ouais. Merci. Pas de problème. Bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir. Quelque chose que je déplore, on n'a pas eu de copie de ça pour suivre. Moi, je suis pas visuel, j'aime bien ça, là, taponner, prendre des notes. Là. J'ai pris des notes sur le règlement d'emprunt. D'après la photo, on part du parc de la Croix. Mm-hmm. Il y a quelques années, on avait, suite à la rénovation de la rue Sainte-Claire, on avait un 800 000 pour rénover le parc de la Croix. Est-ce qu'on va rénover le parc de la Croix avant de faire la passerelle? Bien, c'est pas prévu. C'est pas prévu? Non. Donc, on va laisser le parc de la Croix dans l'état qui est là? Oui. Bien, en tout cas, écoutez, pour le projet là, c'est sûr que oui. Tu sais, il n'est pas prévu dans notre PTI qu'on réaménage le parc de la Croix en 2023. Pas en 2023, mais... 2024, il n'était pas là non plus. Puis 2025, pas là, 2025, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas vu pour les trois prochaines années. Ça veut dire que le parc de la Croix va rester tel quel versus qui s'était préparé une rénovation puis quelque chose pour rendre ça beau puis touristique. On parle de récréo-touristique. Donc, ça ne sera pas fait. Il va rester tel quel. Ben, il va peut-être avoir des aménagements qui vont être faits, là, mais tu sais... Ils vont coûter combien? On ne mettra pas un million. Là. Ce qui était prévu à l'époque, c'était à peu près ça, 800 000. Bon, bien, tu sais, on mettra pas ça, là. Pas à court terme, en tout cas. Parfait. OK, pour celle-là. Comment qu'on va faire pour se collecter au centre-ville? C'est un des arguments que vous avez apporté pour aller se collecter au centre-ville. Moi, le centre-ville, là, c'est pas le parc des chutes, là. Bien, si tu remets le... On voit qu'on peut se rendre à la passerelle. À partir de là, là on peut le voir. Là. Quelle passerelle? La passerelle qui est en bas pour... En fait, la passerelle qu'on voit là, sur la chute, là... On peut passer par là? Bien, ça, c'est pas ouvert au public, cette passerelle-là. Bien, elle n'est pas ouverte au public. De ce qu'on regarde, c'est la possibilité de... Bien, ouverte au public en des heures précises, là. Mais elle ferme une certaine heure, puis elle ouvre une certaine heure. On peut passer dessus. Mais nous, ce qu'on a regardé, c'est de faire le lien entre la passerelle à venir et cette passerelle-là qui existe et où il y aurait des travaux qui seraient faits aussi là, sur cette passerelle-là pour la rendre un peu plus sécuritaire, et tout en maintenant l'accessibilité universelle. Parce que, comme on vous dit, c'est inutile de faire un accessible universel d'une passerelle si on n'est pas capable d'amener les joints plus loin avec le même type d'installation, en respectant certains critères. Donc, c'est vers là qu'on veut les amener. OK, parce que le sentier qui est là présentement, il y a quand même une dénivellation. Ah ouais. Non, ce qu'on a regardé, nous, c'est un sentier qui est beaucoup plus sinueux que ça et qui nous permettrait d'avoir une pente qui est beaucoup moins abrupte.
beaucoup moins abrupte. Merci, M. le maire. Peut-être juste préciser, si vous permettez, M. Levasseur, parce que je trouve la réponse de M. Tremblay n'était pas suffisamment claire. La passerelle qui est située sur le dessus des chutes, elle est ouverte deux jours aux mêmes heures d'ouverture que le parc. Donc, oui, il est possible de passer sur la passerelle qui est située en haut des chutes. Le seul moment où elle n'est pas ouverte, c'est l'hiver, parce que, bon, il y a de l'accumulation de glace qui se fait là. Ouais. Mais durant l'été, la passerelle au-dessus des chutes est ouverte aux heures d'ouverture du parc. OK, merci pour ça. J'ai vu que dans les choses, il y avait la phase 2, l'aménagement de sentiers adaptés. À combien évaluez-vous ces sentiers-là? On n'a pas encore de chiffres là-dessus. On n'a pas de précision encore. On a regardé la faisabilité pour l'instant. On parle d'aménagement de sentiers. Ce qui veut dire que ces coûts-là vont se rajouter aux 2 875 000. Éventuellement. Éventuellement. Mm-hmm. Alors, on a un projet, mais on ne sait pas à combien ça va s'arrêter. Non, bien, c'est sûr que ça sera une phase 2. Ça va-tu être du court terme, du moyen terme, du long terme? On va regarder ça. Là, ce qu'on sait, c'est que ça peut être faisable. Mais on n'a pas mis de chiffre à ça. Nous, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne peut pas construire une passerelle sans vision à long terme, sans vision dans le futur de ce que ça pourrait être. Et c'est un peu ça qu'on vous présente ce soir. Mais ouais, je peux comprendre d'avoir une vision de le futur, mais pourquoi pas ne pas avoir une vision en disant que on fait la passerelle, dans 2 ans, on va faire pas cette partie-là, parce qu'on fait une passerelle, puis là, elle sera pas adaptée à tout le monde comme vous voulez avoir. Ça va prendre quoi, 5 ans, 10 ans, 20 ans, avant qu'elle soit adaptée à tout le monde? Non, bien, c'est pas l'objectif. Ça sera pas ça, mais au moins pour le moment, si les gens qui sont à mobilité réduite, ils veulent aller pareil sur le Belvédère, il y a la possibilité de le faire. Ça me donne l'impression d'un projet, mais d'une autoroute qui ne sort pas. Oui, mais on va prendre les bouchées une après l'autre. Ben, mais c'est ça, si on prenait des bouchées une après l'autre, puis qu'on aurait une vision d'avenir comme vous nous parlez, là, ça serait déterminé. Ça, on s'en va là, on s'en va là. Et on va aboutir avec une passerelle pour traverser les gens, pour collecter le centre-ville que vous voulez, quand on parle de collecter les gens de Saint-Ligier aux choses de centre-ville. Ça serait parfait. Oui, puis, ça serait quelque chose qui serait intéressant de voir. Vision, puis même, je vous dirais plus loin que ça, suite, le long de la maison des aînés, puis si jamais il y a le projet en arrière où il est situé, on veut aménager ce secteur-là aussi. Il faut tout se rejoindre. Mais c'est sûr que la première étape sera effectivement de rendre la passerelle entre la passerelle du parc de la Croix au parc des Chutes, puis pouvoir se rendre au-dessus de la passerelle de la Chute, il faut que ça soit accessible. Ça va être la deuxième étape, c'est clair. Ouais. Mais la deuxième étape, on parle d'aménagement de sentier. Moi, je n'ai pas vu le projet d'aménagement de sentier, à part de celui qui est adapté, qui serait accessible pour les personnes adaptées. Ça, je n'ai pas de problème pour ça. En général, si tu vois la diapositive, en tout cas, quand on voit le plan, là, on voit un peu des sentiers. Là, bon, recul d'une shot. Là. Une image. Là, on voit le sentier qui descend vers le bas. C'est ce sentier-là qu'on veut ramener au-dessus de la chute. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est lui qu'on veut retravailler. C'est lui qu'on veut retravailler pour l'amener qu'il soit plus sinueux, ouais. Pour que la pente soit moins abrupte. Les sentiers qui sont là, c'est des sentiers actuels. Tout à fait. Oui. Donc on ne voit pas qu'est-ce que ça donnerait, le chantier sinueux ou à peu près ce que ça donnerait. Donc, j'ai un projet, mais point à la ligne. Peut-être... J'ai rien. Je vois pas le reste. Je vois pas le futur. C'est volontaire, M. Levasseur. La phase 2 a été préparée par la firme d'architecte. Pour nous donner une idée de ce que ça pourrait avoir l'air. Mais c'est volontairement pas présenté ce soir parce que le règlement d'emprunt ne le prévoit pas dans ce projet-là, dans cette première phase-là. Mais comme me disait mon collègue, il fallait quand même être en mesure de savoir quelle forme ça pourrait prendre dans l'avenir pour être en mesure de vous présenter ça ce soir. Faire une première phase. Oui, M. Tremblay, ça me fait penser au développement de l'entrée ouest de la ville. Un beau projet, mais on n'a plus rien. On ne sait pas ce que ça va donner. On a encore des terrains qui sont verts. Il y a des pissenlits, mais ils sont verts. Mais là, c'est on aboutit, on n'aboutit pas, là. On vient de régler le gros... Tu sais, on a acheté le terrain, là. Tu sais, on a versé la compensation de 2 millions. On n'est pas avancé, là. Non, mais on a le terrain, on a versé avancé. La compensation on a acheté financière. Le terrain. Là, on va travailler là, sur l'entrée ouest-sud.
C'est là-dessus que l'on fait. Là. Les appels d'offres, je pense, ça sort le 30 mai. L'entrée ouest-sud, c'est pour les égouts et ça, là. Oui, mais là, il va y avoir des terrains qui vont se vendre. Les terrains vont se vendre, il y a des gens qui vont être là. Oui, il y a des... Il y a Canac qui sont supposés d'être là, mais on va passer, on va revenir là-dessus. Autre chose, autre question que je me pose, l'entretien de ça. Les coûts, qui vont avoir été évalués pour l'entretien? Est-ce que vous parlez de l'entretien à long terme? À moyen terme, long terme, là. Nous, on a regardé l'entretien d'une chenillette hivernale là, pour passer, là, mais c'est... Pas pour la neige d'hiver, oui, mais je voyais c'était un plancher de bois, d'après j'ai pu voir. C'est pas des matériaux à entretien intensif. Là. On peut imaginer la passerelle de la Frontenac actuellement, là, à l'occasion, on va remplacer des morceaux, là, puis... C'est pas, je dirais, elle est conçue de façon à avoir un entretien minimal. Oui, parce que passerelle Frontenac, c'est vrai que ça fait un bouquet, tu sais, ça fait 20 quelques années. Le même principe. Ouais. On a souhaité avoir du bois. Bon, dernière question. Vous avez parlé de potentiel récréo-touristique. A-t-on évalué ce potentiel-là ou on envoie ça en l'air demain? Non, mais c'est prévu de le faire. Mais c'est juste prévu de le faire. Il n'est pas fait encore. Pas encore, non, mais c'est sûr que concrètement, on s'attend quand même à une bonne affluence. Mais comme je vous disais, ce qui est visé avant tout, c'est les besoins de la population locale. Avant de dire qu'on va attirer des gens, oui, c'est ce qu'on veut faire, mais on veut s'assurer que les gens localement en profitent. C'est un projet pas fini. OK. Autre chose, la subvention de 508 000, il faut que le projet soit parti pour décembre, avant décembre 2022? Soit terminé avant le 31 décembre 2022. Terminé, qu'est-ce qui va être terminé? La structure, ce qu'on vous présente là, il faut que ce soit terminé, il faut que le rayon qui est accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, c'est ça qu'il faut qu'il soit terminé pour le 31 décembre. Donc ça se fait cet automne? Tout à fait. Si on veut avoir la subvention, il faut que ce soit fait. On est encore dans le même pattern que la caserne. Il faut que la caserne parte au mois de septembre pour avoir la subvention qui est échue au mois de décembre. Je comprends, M. Levasseur, vous avez raison. On est dans des courts délais, mais cette subvention-là nous a été promise en 2021. Puis elle était échue au 31 décembre 2022. On aurait bien voulu la faire avant, là, mais on a eu la confirmation en 2021. En janvier 2021 ou en décembre? La date exacte, je ne l'ai pas, je vous la donnerai. Mais écoutez, on n'a pas intérêt à faire traîner des subventions pour le fun des laisser traîner. Là. Ben, on a perdu celle de la pointe. Là. Celle de la pointe? Carrefour. La rénovation au niveau du. Oui, mais ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas parce qu'on a traîné, c'est parce qu'on attend une décision de la STQ. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est bon. Merci. Bonsoir, Audrey Morin. Bonsoir. Vous allez me trouver tannante avec ça encore, mais la phase 2, je trouve ça important qu'on sache c'est quoi, parce que j'ai l'impression que le fait qu'il y ait une annexe avec l'accessibilité universelle est intimement relié avec la phase 2 de ce projet-là. Par contre, ne sachant pas d'informations sur la phase 2, c'est difficile de se positionner sur le projet dans sa globalité, parce que là, pour l'instant, est-ce qu'on se dit, est-ce que la vision où ça s'en va, la phase 2, on est en adéquation avec ça, les citoyens? Ça a été nommé dans votre présentation, Monsieur Pascal Tremblay, pour préciser qu'il y avait un souci d'attractivité avec ça, puis d'attirer des nouveaux arrivants. Moi, je sais que pour être une nouvelle arrivante, ça fait quand même quelques années que je suis ici, 3-4 ans, puis j'ai beaucoup d'amis dans mon cercle, puis on se dit qu'ils sont aussi des nouveaux arrivants, puis on se dit que c'est extraordinaire d'avoir un parc nature comme ça. Fait que est-ce que la phase 2, il y a des sentiers qui deviennent bitumés? Fait que ça nous prend plus d'informations, j'ai l'impression, pour qu'on puisse positionner sur le projet dans sa globalité. Là. Non, il n'y a pas de béton de prévu. Vous savez qu'il y a un comité de vigilance sur le parc de la Chute qui sont consultés. On les consulte à chaque intervention qu'on fait. C'est une des consultations qu'on a faites avec eux. Notre objectif, c'est de maintenir le parc dans l'état le plus naturel possible, tout en
permettant aux gens de circuler, les gens qui ont plus de difficultés de circuler. Et on est vraiment ciblé dans un secteur précis du parc, là, où actuellement, c'est quand même, je dirais pas l'endroit le plus sollicité pour le moment, mais on a beaucoup l'intention de votre préoccupation, elle est très, très présente à la direction des loisirs, et on nous l'a communiqué, et on a rencontré ces gens-là, le comité de vigilance, là, pour discuter de ce projet-là. Si je peux me permettre pour ajouter, puis tout ce que j'ai entendu ce soir, je trouve ça extrêmement pertinent. C'est des préoccupations qu'on a aussi, notamment sur le coût. Je voudrais peut-être rappeler le besoin de base qui nous a amenés dans ce projet-là. C'est vraiment un besoin de sécurisation. On est sommé de faire quelque chose, de faire des travaux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on transforme cette obligation-là en une occasion de faire quelque chose. Les questions sont bien légitimes sur ce quelque chose-là, je le concède. Par contre, c'est ça, je veux quand même ramener cet aspect-là. Et oui, comme le disait mon collègue, ça aussi, c'est une des préoccupations qu'on a. On sait la place des arbres en ville. On se fait questionner beaucoup ces temps-ci. Personnellement, ça m'occupe beaucoup dans mon travail. Mais je veux rassurer aussi la population sur les efforts qui sont faits. Donc, juste au niveau de la structure, c'est peut-être moins évident de le voir, mais l'empreinte de la structure est vraiment limitée au minimum pour être certain qu'on va limiter les coupes. Et on ne fera pas ça les yeux fermés avec une chainsaw là, dans le parc. On se fait toujours accompagner par Bas-Saint-Laurent, qui est le mandataire pour l'entretien du parc, pour le développement. On consulte aussi le comité aviseur du parc. Tout ça se fait en concertation avec les utilisateurs du parc. Et ces préoccupations-là que vous avez, on les partage aussi. On veut vraiment limiter l'impact dans cette forêt urbaine-là. Merci. Je vais me permettre une autre question. Est-ce qu'il y a des alternatives qui ont été explorées autres qu'une passerelle pour remédier là, à la situation ou répondre à la demande du CN? Il y en a une réaliste qui serait réalisable, ce serait la clôture tout le long de la voie ferrée de la ville dans le parc industriel. Sauf qu'on n'y croit pas, honnêtement. On a des préoccupations que le monsieur nous soulignait tantôt, que les gens vont quand même traverser, ils vont créer des brèches, puis éventuellement, ça va devenir un panier percé, puis que les gens vont continuer à circuler. On va pouvoir dire qu'on a fait quelque chose, mais est-ce qu'on aura vraiment fait quelque chose qui va empêcher les gens de circuler? Nous, on n'y croit pas. Les gens du CN non plus n'y croyaient pas. L'autre possibilité qu'on a soulevé lors de la rencontre, c'était justement d'avoir une traverse à piétons à niveau pour les piétons, mais le fait que les stationnements, les wagons de train stationnent sur la voie pendant plusieurs heures, bien, ça vient éliminer cette... Donc, on est très limité en termes de possibilités. Si je peux me permettre d'ajouter sur cette deuxième possibilité, est-ce que ça pourrait être réfléchi d'avoir une indication avant que les personnes se rendent au passage à niveau? C'est comme un panneau qui, s'il est allumé d'une certaine couleur, ne vous rendez pas jusque-là, ça va être fermé, passez plutôt par le pont d'Amour. Ben oui, mais il faudrait le faire dans deux sens. Puis est-ce que ça dissuaderait les gens de passer de pareil où on déciderait de passer à travers les wagons? Donc, c'est difficile à dire. Et on n'a pas pensé à ça, non. Puis, finalement, en fait, ça a été posé tantôt, là, mais est-ce que... Il y a plus de données par rapport à, justement, on sait que dans les 10 dernières années, il n'y a pas eu nécessairement d'accident. Des amendes, il n'y en a pas encore qui ont été remises. Par rapport aux besoins de la population qui traverse par cet endroit-là, est-ce que c'est plus un besoin de promenade? Est-ce que c'est plus des gens qui vont travailler? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Je pense que ça serait intéressant d'aller en chercher. On n'en a pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 40 000 personnes qui passent dans le parc annuellement. Ça, on est capable de le mesurer parce que c'est des sentiers. Là, étant donné qu'on est sur une... C'est difficile à quantifier les gens qui circulent là parce qu'ils passent un peu partout, donc on ne peut pas mettre de compteur. Mais on peut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de monde qui profite. Oui, mais ma question, c'est plus dans le sens, qu'est-ce que ces personnes-là ont besoin de faire? Est-ce qu'elles vont plus pour se promener? Est-ce qu'elles veulent plus pour aller faire les courses, etc.? Fait que peut-être ça serait pertinent d'aller chercher du qualitatif auprès de la population pour comme, bon, est-ce que c'est vraiment ça le besoin, cette passerelle-là? Est-ce que ça serait juste un lien tout simple? Puis c'est admirable d'avoir ce souci d'accessibilité universelle, mais... c'est à voir, est-ce que c'est nécessaire un projet de cette envergure-là? Voilà. Je vous remercie. Et juste en complément d'information, Mme Morin, moi, je peux vous confirmer que des amendes, il s'en émet.
présentement par le CN. On ne sait pas combien parce que c'est la police du CN qui le fait, puis les jugements ne sont pas rendus ici. On n'a juste pas cette donnée-là, mais oui, des amendes, il s'en émet. J'aimerais aussi préciser que c'est une obligation que nous avons de clôturer. Le CN ne nous oblige pas à faire une passerelle, il nous oblige à sécuriser la voie, puis à limiter le déplacement des gens qui la traversent. La question que nous, on avait à se poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'on offre une alternative pour passer par-dessus la traverse? C'est ça, la question. Parce que la Ville pourrait très bien mettre une clôture de 500 000 piastres, on vient de fermer le dossier, mais est-ce que les gens vont respecter cette clôture-là? Première question. Deuxième question, on n'a pas de données réelles sur le nombre de personnes qui traversent là, mais on sait qu'il en passe plusieurs centaines par jour. Pour le loisir, pour se rendre au centre-ville, pour aller au parc, il y a beaucoup de monde qui passe là. Évidemment, comme M. Tremblay l'a précisé, il passe sur une distance très large sur la voie ferrée. On n'a pas de compteur. Quand vous passez sur la traverse, sur la passerelle Frontenac, il y a un compteur. Là. Une personne passe, clac, il y a un compteur électronique. Mais vous comprendrez que sur une distance de 300, 400 mètres de long de voie ferrée, on n'a pas cette donnée. Forcément, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent là. Je passe moi-même là à c'est l'occasion, donc, mais c'est vraiment plus le qualitatif. C'est quoi le réel besoin du citoyen derrière ce passage-là? Mais le réel besoin du citoyen, je pense que si vous demeurez dans le coin puis que vous voyez qu'un beaucoup de personnes qui l'utilisent, bon, est-ce que c'est un réel besoin? C'est une question qui est hypothétique un peu, mais on sait que c'est très utilisé, en tout cas. Est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce que c'est un réel besoin d'aller consommer une bière? Non, est-ce que c'est un réel besoin? Mais non, à un moment donné, il y a des loisirs et il y a des activités. Je vais reprendre, c'est plus les motivations, plus que le besoin en soi. Pas ces données-là. Je pense que ça pourrait être pertinent dans d'autres phases. Je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Oui. Oui, on viendra. Oui, il est déjà 9h10, effectivement. Fait que je vais laisser. Maître Bourdage, est-ce que c'est correct? On peut. Oui, c'est bon. Fait qu'on reviendrait à notre ordre du jour, qui est le point 3, adoption des procès-verbaux des 9 et 16 mai 2022. Oui, donc il est proposé et appuyé que ce conseil adopte les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mai et de la séance extraordinaire du 16 mai 2022. Henri Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, dépôt du certificat relatif à la renonciation des personnes habiles à voter à la tenue d'un scrutin référendaire pour la résolution 119-2022. Je dépose les avis de renonciation obtenus et joints en annexe, lesquels constituent une renonciation à la tenue d'un scrutin référendaire pour la résolution numéro 119-2022 de la part de la majorité des personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la municipalité des zones 4CR et 5RA. Je déclare que la résolution 119-2022 concernant la demande de projets particuliers de construction au 28, 32, 34, 36, 38 et 50 rue de l'Ancrage dans la zone 4CR est réputée approuvée par les personnes habiles à voter. Nous avons reçu 27 avis de renonciation. Fait que dans le fond, c'est que ça vient dire qu'il n'y aura pas de signature de registre pour la demande d'un référendum parce qu'on a eu plus de gens qui étaient pour le projet que des gens qui pourraient être contre. Donc, on n'est pas obligé de faire la tenue du registre. Puis, Mme Élise, est-ce que votre micro est ouvert? Oui. Oui, c'est bon, parce que je n'entends pas beaucoup. Ça va bien. Ouais. Merci. Fait que le point 5, adoption du projet de résolution 243-2022 relative à la demande de projet particulier de construction aux deux rues du Faubourg. Attendu qu'en vertu des pouvoirs insérés à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce conseil a adopté le règlement 1364 du 10 mars 2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble applicable au territoire de la ville de Rivière-du-Loup. Attendu que l'objet du règlement est d'habiliter ce conseil à autoriser sur demande et sous certaines conditions un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, PPC moi, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre 4 de la loi. Attendu que le projet particulier de construction version plan préliminaire
permis, daté du 28 janvier 2022, déposé par M. Daniel Dumont, architecte et mandaté par M. Julien Miville pour le lot 3 751 659 du cadastre du Québec, correspondant à l'adresse 2 rue du Faubourg et situé dans la zone 1MA, consiste à ajouter un bâtiment de 6 logements à un ensemble résidentiel existant de 24 logements, développement domiciliaire par quartier. Attendu que ce projet particulier de construction contrevient à certaines dispositions du règlement de zonage, comme la classe d'usage habitation multifamiliale, ainsi que les normes d'édification du bâtiment principal, plus précisément pour ce qui concerne la hauteur des bâtiments. Attendu que ce projet n'enfreint pas les objectifs du plan d'urbanisme du secteur, étant donné sa vocation résidentielle et qu'il favorise la venue de nouveaux ménages dans ce quartier pourvu de tous les services publics et situé le long d'une voie de circulation de type collectrice. Attendu que le 12 avril 2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé ce projet particulier en fonction des critères d'évaluation contenus au règlement 1364 et recommandent au conseil d'accepter cette demande conformément au plan déposé au comité consultatif d'urbanisme le 12 avril 2022. Attendu que tout branchement et toute conduite au réseau d'aqueduc, d'égout et pluvial doivent être conformes aux normes du service technique et de l'environnement et leur implantation ne doit en aucun cas causer de préjudice aux arbres situés sur le terrain. Attendu qu'advenant que les arbres soient endommagés par les travaux, ils doivent être obligatoirement remplacés par des arbres de diamètre minimum de 70 mm, mesurés à 15 cm du départ du tronc. Attendu que les trois arbres à ajouter qui sont indiqués sur le plan d'implantation doivent posséder un diamètre minimum de 70 mm, mesuré à 15 cm du départ du tronc. Attendu que le présent projet de résolution doit être soumis à une assemblée publique de consultation, de même qu'à un processus d'approbation référendaire, puisqu'il contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que ce conseil juge opportun d'approuver la demande d'autorisation de projet particulier de construction présentée par M. Daniel Dumont, architecte et mandaté par M. Julien Miville. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, adopte le premier projet de résolution numéro 243-2022 concernant la demande de projet particulier de construction déposée par M. Daniel Dumont, architecte et mandaté par M. Julien Miville, pour le lot 6 361 953 du cadastre du Québec, correspondant à l'adresse 2 rue du Faubourg et situé dans la zone 1MA, consistant à ajouter un bâtiment de 6 logements, un ensemble résidentiel de 24 logements, développement domiciliaire par quartier, conformément au plan préliminaire permis daté du 28 janvier 2022, incluant les conditions suivantes. 1. Tout branchement et toute conduite au réseau d'aqueduc, d'égout et pluvial doit être conforme aux normes du service technique et de l'environnement et leur implantation ne doit en aucun cas causer de préjudice aux arbres situés sur le terrain. 2. Advenant que les arbres soient endommagés par les travaux, ils doivent être obligatoirement remplacés par des arbres d'un diamètre minimum de 70 mm, mesuré à 15 cm du départ du tronc. 3. Les trois arbres ajoutés qui sont indiqués sur le plan d'implantation doivent posséder un diamètre minimum de 70 mm, mesuré à 15 cm du départ du tronc. Assujettis ce projet particulier de construction au règlement 2081 du 24 janvier 2022 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale des projets intégrés. Fixe l'Assemblée publique de consultation au lundi 13 juin 2022 à 20h à la salle du conseil située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Fait que dans le fond, là, c'est un bâtiment supplémentaire de 6 logements qui serait fait là, au coin de la rue du Faubourg et boulevard Cartier. Il y a déjà, là, si je pense, c'est 3 ou 4 blocs qui sont construits là. Il y aurait un autre bloc qui serait fait. Puis l'avis public là, concernant ce projet-là va être paraître dans le journal Info Dimanche le mercredi 1er juin. Le point 6, adoption du projet de résolution 244-2022 relative à la demande d'un projet particulier de construction au 59 rue Saint-Henri. Attendu qu'en vertu des pouvoirs insérés à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ce conseil a adopté le règlement 1364 du 10 mars 2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble applicable au territoire de la ville de Rivière-du-Loup. Attendu que l'objet du règlement est d'habiliter ce conseil à autoriser sur demande et sous certaines conditions un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeuble, PPC-moi, qui déroge à l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre 4 de la Loi. Attendu que le projet particulier de construction version 20-024 plan présentation au CCU daté du 4 mai 2022 déposé par M. Daniel Dumont, architecte et mandaté par M. Denis Dauteuil pour le lot
numéro 4531406 du Cadastre du Québec, correspondant à l'adresse 59 rue Saint-Henri et située dans la zone 51RA, consiste à construire un ensemble résidentiel de 28 logements sur un lot composé de 2 bâtiments de 5 unités et de 3 bâtiments de 6 unités. Attendu que ce projet particulier de construction contrevient à plusieurs dispositions des règlements de zonage et de conditions d'émission des permis eu égard à l'usage et au nombre de logements, au nombre d'implantations et d'édifications des bâtiments principaux, à l'aménagement des cours et des terrains, à l'aménagement des stationnements ainsi qu'aux écrans tampons et des mesures d'atténuation. Attendu que ce projet n'enfreint pas les objectifs du plan d'urbanisme du secteur, étant donné sa vocation résidentielle, et qu'il favorise la venue de nouveaux ménages dans ce quartier, pourvu que tous les services publics aient situé le long d'une voie de circulation de type collectrice. Attendu que le 10 mai 2022, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé ce projet particulier en fonction des critères d'évaluation contenus au règlement 1364 et recommandent au conseil d'accepter cette demande conformément au plan déposé au CCU le 4 mai 2022. Attendu que le présent projet de résolution doit être soumis à une assemblée publique de consultation, de même qu'à un processus d'approbation référendaire, puisqu'il contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. Attendu que ce conseil juge opportun d'approuver la demande d'autorisation de projet particulier de construction présentée par M. Daniel Dumont, architecte et mandaté par M. Denis Dauteuil. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, adopte le premier projet de résolution numéro 244-2022 concernant la demande de projet particulier de construction déposée par M. Daniel Dumont, architecte et mandaté par M. Denis Dauteuil, pour le lot 4531406 du Cadastre du Québec, correspondant à l'adresse 59 rue Saint-Henri et située dans les zones 51RA, consistant à construire un ensemble résidentiel de 28 logements sur un lot composé de 2 bâtiments de 5 unités et de 3 bâtiments de 6 unités, conformément au plan présentation au CCU, daté du 4 mai 2022. Assujettit ce projet particulier de construction au règlement 2081 du 24 janvier 2022 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale des projets intégrés. Fixe l'assemblée publique de consultation au lundi 13 juin 2022 à 20h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un projet qui avait été présenté là, il y a à peu près un an, là, 59 Saint-Henri, c'est l'ancien bâtiment où il y avait les enseignes Bélanger. Le promoteur, là, M. Denis Dauteuil, je sais qu'il a fait ses devoirs. Il y avait du local commercial qui était alloué, il a tout enlevé ça. Ça va être vraiment juste du résidentiel. Puis l'avis public là, pour cet avis-là va paraître dans le journal là, de l'Info dimanche le 1er juin aussi. Le point 7, rapport de la greffière adjointe et décision du conseil concernant la demande de dérogation mineure pour l'immeuble à construire au 41 rue Laval. Je fais rapport au conseil municipal conformément à l'article 2.1.3 du règlement 1259-2 relatif aux dérogations mineures qu'à la suite de l'avis public publié le 27 avril 2022 dans le journal Info Dimanche concernant la demande de dérogation mineure présentée par M. Jean-Yves Paradis pour le compte de M. Lucien Dubé. Concernant le projet de construction au 41 rue Laval, dont la largeur de l'immeuble serait supérieure à sa profondeur, je n'ai reçu aucun commentaire. Bonjour, Monsieur le maire. Oui, merci. S'il y a des personnes présentes dans la salle qui voudraient se faire entendre sur ce point-là, bien, vous êtes les bienvenus. Non, pas personne, Madame Maître Bourdage, on peut continuer. Attendu qu'aucune des personnes présentes ne désire se faire entendre quant à la demande de dérogation mineure présentée par M. Jean-Yves Paradis en regard du projet de construction au 41 rue Laval, dont la largeur de l'immeuble serait supérieure à sa profondeur, attendu que le règlement de zonage 1253 prévoit son article 6.4.4 qu'une nouvelle construction doit avoir une largeur inférieure à sa profondeur lorsqu'elle est située dans une zone qui contient des dispositions sur la protection des percées visuelles et qu'en conséquence, la dérogation demandée équivaut à une construction dont la largeur est supérieure de 2,74 mètres par rapport à sa profondeur. Attendu que tous les membres présents de ce conseil déclarent avoir pris connaissance de l'avis du comité consultatif d'urbanisme du 12 avril 2022 recommandant de façon unanime d'accepter la demande de dérogation. Attendu que la demande de dérogation respecte les objectifs du plan d'urbanisme et conforme aux dispositions des règlements de zonage, de lotissement et de construction, ne faisant pas l'objet de la demande de dérogation mineure et est conforme aux dispositions du Code civil du Québec, attendu que le propriétaire de bonne foi, attendu qu'après analyse, cette demande de dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires voisins de leurs droits de propriété,
En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la nouvelle construction à être érigée au 41 rue Lavade de façon à autoriser une construction dont la largeur est supérieure de 2,74 mètres par rapport à sa profondeur, comme démontré au plan de projet, au projet de plan d'implantation pour le lot 6 457 143 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata et faisant partie de la zone 65 ARA. Que copie de cette résolution soit adressée à M. Jean-Yves Paradis, conformément aux dispositions de l'article 2.1.4 du règlement 1259-2 relatif aux dérogations mineures de la ville de Rivière-du-Loup. Édith Samson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, c'est la maison va être plus large qu'épaisse, si on veut, parce que le terrain est fait en forte pente. Fait qu'il y avait eu un incendie là, il y a plusieurs années à cet endroit-là, 41 rue Laval. Là. C'est pas loin des stationnements où il y a le curb de curling. Là. Fait que dans ce secteur-là, fait qu'on peut permettre la construction. D'ailleurs, on avait vendu une parcelle de notre terrain qui appartenait à la ville pour pouvoir permettre la construction de cette maison-là. Le point 8, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 124 à 132 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 11 avril 2022, M. Paul Plamondon de l'entreprise Enseigne RDL déposait au comité consultatif d'urbanisme au nom de Mme Meredith Beaulieu-Gagnon, propriétaire du bâtiment situé au 124-132 rue Lafontaine, un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin qu'il soit autorisé à réaliser un affichage par une enseigne projective. Attendu qu'en date du 10 mai 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 1260-2 relatif à l'affichage. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 10 mai 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Paul Plamondon afin de réaliser un affichage par enseigne projective sur le bâtiment situé au 124-132 rue Lafontaine. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est un bâtiment qui est situé en face du parc Blais. C'est l'entreprise, là, c'est la boutique Le Vent Fou qui déménage là, fait que c'est pour mettre le nouvel enseigne. Monsieur le maire, pour le point 9, je me retire pour des raisons de lien d'affaires. Merci. C'est bon. Le point 9, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'immeuble du 190 rue Fraser. Attendu qu'à date du 3 mai 2022, M. Daniel Dumont, architecte mandaté par la compagnie Les Fondations BA Inc. et propriétaire du bâtiment situé au 190 rue Fraser, présentait au comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'être autorisé à ajouter un immeuble de 18 logements, à rénover les revêtements extérieurs des bâtiments existants et à réaménager l'ensemble des stationnements. Attendu qu'en date du 10 mai 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'accepter le plan déposé puisque le projet respecte les dispositions contenues au règlement 2081 relatif au projet intégré. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 10 mai 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Daniel Dumont afin d'ajouter un immeuble de 18 logements, de rénover les revêtements extérieurs des bâtiments existants et de réaménager l'ensemble des stationnements pour l'immeuble situé au 190 rue Fraser aux conditions suivantes. 1. Assurer la présence d'endroits pour stationner les vélos. 2. Prévoir les aménagements afin de pouvoir installer des bornes de recharge électrique le moment venu. Nelson Lepage propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Point 10. Acceptation de soustraire le propriétaire du 122 rue Amiotte à l'obligation d'aménager deux cases de stationnement. Attendu qu'en date du 29 avril 2022, Mme Catherine Roy, propriétaire du 122 rue Amiotte, présentait au comité consultatif d'urbanisme une demande visant l'exemption de deux cases de stationnement pour son immeuble. Attendu que l'article 10.2.2 du règlement de zonage 1253 permet au conseil d'exempter un propriétaire de l'obligation de fournir et de maintenir des unités de stationnement moyennant le paiement d'une somme de 2000 $ par emplacement. Attendu que le 10 mai 2021, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil d'approuver la demande pour l'immeuble situé au 122 rue Amiotte en raison de considérations relatives à la sécurité routière du fait que les stationnements sont situés à proximité d'une intersection achalandée. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme.
En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil accepte de soustraire Mme Catherine Roy à l'obligation d'aménager deux cases de stationnement sur le terrain de l'immeuble situé au 122 rue Amiot, conditionnellement au paiement d'une somme de 4 000 $ pour les espaces de stationnement manquants et au respect de toute autre exigence prévue à la réglementation municipale en vigueur. Édith Samson propose. Steve Drapeau appuyé. C'est adopté. Dans le fond, juste pour vous situer, c'est l'ancien entrepôt Sport Expert qui se trouvait en face du Club de l'Âge d'Or. Un petit bâtiment là, qui est pas loin du coin de la rue Frontenac, puis à Miotte. Le point 11, résolution amendant le règlement d'emprunt 2090 concernant le pavage afin d'augmenter le montant de la dépense. Attendu que le règlement d'emprunt 2090 décrétant une dépense de 2 187 940 $ et un emprunt de 800 000 $ pour la réalisation de travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2022 a été adopté par ce conseil lors de la séance du 14 mars 2022. Attendu qu'un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. Attendu que, suivant l'ouverture des soumissions, les coûts associés au projet se sont avérés plus élevés que le montant prévu au règlement d'emprunt. Attendu que le fonds de roulement sera remboursé en 10 versements égaux et consécutifs de 31 500 comptés du 15 mars 2023. En conséquence, il est proposé et appuyé que l'article 1 du règlement d'emprunt 2090 soit remplacé par l'article 1 suivant. Article 1, titre du règlement. Le règlement s'intitule Règlement d'emprunt numéro 2090 du 14 mars 2022, décrétant une dépense de 2 502 902 $ et un emprunt de 800 000 $ pour la réalisation des travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2022. Que l'article 2 du règlement soit remplacé par l'article 2 suivant. Article 2. Travaux autorisés. La Ville est autorisée à procéder aux travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue, conformément à l'estimation amendée et datée du 9 mai 2022, préparée par le chef de la division Travaux publics du Service technique et de l'environnement, M. Marc-Antoine Fauché, laquelle est jointe en annexe 1, amendée au règlement pour en faire partie intégrante. Que l'article 3 du règlement 2090 soit remplacé par l'article 3 suivant. Article 3, montant autorisé à dépenser. La Ville est autorisée à dépenser une somme n'excédant pas 2 502 902 $ aux fins du présent règlement. Que l'article 4 du règlement 2090 soit remplacé par l'article 4 suivant. Article 4, montant emprunté. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 800 000 $ sur une période de 10 ans. Le solde, soit un montant de 1 702 902 $, sera financé par le budget de fonctionnement à même les fonds courants pour un montant de 1 387 902 $ et par un emprunt au fonds de roulement au montant de 315 000 $. Que l'annexe 1 du règlement 2090 est remplacée par l'annexe 1 amendée, estimation des coûts amendés, datée du 9 mai 2022 et préparée par le chef de la division Travaux publics du Service technique et de l'environnement, M. Marc-Antoine Fauché, laquelle est jointe à la présente résolution et au règlement pour en faire partie intégrante. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Bien, c'est ça. C'est suite à l'ouverture des soumissions avec BML. On fait le projet Alfred Fortin qu'on avait dit. J'avais parlé à ce moment-là qu'on regardait la possibilité peut-être d'aller chercher un 300 000 dans le fonds de roulement pour se le mettre de côté pour voir si on faisait chemin des Raymonds à l'est, là, si on veut, sur à peu près 500 mètres. Fait que c'est dans ce sens-là. Ça change rien dans le sens que, oui, la dépense est plus grosse, mais on va aller chercher un 315 000 dans le fonds de roulement qui va être remboursé à 31 500 $ par année. Mais... au niveau du montant d'emprunt là, qu'on va faire, c'est 800 000 pareil. C'est sûr que les coûts sont plus chers, mais on s'était dit que si on retardait le projet du chemin des Raymonds Est, de toute façon, on le faisait l'année prochaine, on allait être obligé de décaler nos trues. Fait qu'on on maintient le cap pour le faire, mais on le prend dans le fond de roulement. Le point 12, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2098 concernant la circulation et le stationnement. L'adoption du règlement 2098 vise à remplacer le règlement 1322 du 22 avril 2002 relatif à la circulation et au stationnement et ses amendements par un nouveau règlement. Le règlement ayant fait l'objet de plusieurs modifications au fil des ans, une refonte était plus que justifiée. Le règlement sur la circulation et le stationnement vise principalement à décréter la signalisation routière applicable sur le territoire de la ville, que ce soit, notamment en termes d'arrêt obligatoire, limite de vitesse et règles relatives au stationnement. Les principales modifications apportées sont le retrait des doublons au code de la sécurité routière, l'ajout d'exceptions pour l'infraction d'empêcher d'occuper une place publique, l'intégration des pistes multifonctionnelles, vélos et piétons, l'interdiction d'utiliser des appareils sonores pour annoncer ou diffuser un message a été étendue
aux bicyclettes. L'interdiction d'immobiliser un véhicule routier de manière à empêcher un autre véhicule routier d'atteindre ou de quitter une place publique. L'application des passages incendies a été élargie. L'autorisation du stationnement de nuit en hiver, sous réserve du déclenchement d'une opération de déneigement, conformément à la future politique de déneigement. Les vignettes de stationnement sur la rue Lafontaine deviennent payantes pour les commerces requérants. La mise à jour des diverses annexes. De nouvelles infractions ont également été introduites pour les situations suivantes. Dommages aux panneaux de signalisation, obstruction aux panneaux de signalisation, ajout de signalisation, interdiction de retirer des marques de craie sur les pneus, interdiction de retirer un constat d'infraction d'un véhicule. Finalement, plusieurs modifications ont été apportées aux amendes. Entre autres, les amendes minimales établies à 30 $ passent maintenant à 40 $. Les amendes maximales passent à 200 $, sauf pour celles liées au stationnement. Certaines infractions objectivement plus graves conservent des amendes minimales et maximales supérieures au montant indiqué, spécifiquement lorsque des dommages peuvent avoir été causés aux biens municipaux lors de la perpétration ou lorsqu'un comportement cause un danger pour la sécurité du public. Ce règlement a été précédé du dépôt d'un projet de règlement le lundi 9 mai 2022 et un avis de motion a été donné au cours de la même séance par la conseillère Edith Sanson. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@villerdl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi ou pour son entrée en vigueur et les frais mentionnés pour les utilisateurs, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que ce conseil juge opportun de modifier et de remplacer le règlement 1322 du 22 avril 2002 relatif à la circulation et au stationnement et ses amendements par un nouveau règlement. Attendu que les articles 4, 6, 79 et suivants de la loi sur les compétences municipales permettent à la Ville de prévoir toute prohibition en matière de sécurité, de stationnement et de nuisance. Attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée par le dépôt d'un projet de règlement le 9 mai 2022 et qu'un avis de motion a été donné au cours de la même séance. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement numéro 2098 du 24 mai 2022 concernant la circulation et le stationnement. Édith Sanson propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Si jamais, effectivement, vous voulez en prendre connaissance, là, il va être disponible sur le site Web, puis aussi au bureau du greffe. Puis si on peut retenir quelque chose à travers tout ça, là, on avait l'interdiction de stationnement l'hiver à Rivière-du-Loup qui était du 1er novembre ou du 15 octobre, genre au 1er avril ou 15 avril, en tout cas pour un bout de temps. Là. Fait que dans le fond, on va permettre le stationnement sur rue l'hiver, mais c'est sûr qu'on va trouver une façon de rejoindre. Bien, c'est les gens qu'il faut falloir qu'ils s'informent s'il y a une opération de déneigement dans leur rue. C'est sûr que s'il fait une tempête de neige, on ne se parque pas dans la rue, là. Mais on veut essayer ça. On avait des demandes de citoyens qui disaient, bien, des fois, il y a une semaine, deux semaines qu'il neige pas, mais on ne peut pas se parquer dans la rue. Fait qu'on a trouvé ce moyen-là. Mais ça va, la responsabilité va toujours appartenir au propriétaire du véhicule de s'informer aussi. Fait que le point 13, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2099-2 modifiant les règlements de zonage 1253 et de lotissement 1254 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Je déclare que le règlement 2099-2 a essentiellement pour but de modifier les règlements de zonage et de lotissement, respectivement numéro 1253 et 1254, dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Les modifications apportées au règlement consistent à agrandir la zone 8IC à même la zone 8IA dans le secteur du parc industriel pour permettre à l'entreprise CarExpert de s'agrandir et d'élargir son stationnement. Cette modification réglementaire fera en sorte que l'ensemble de leurs propriétés sera situé dans la même zone pour faciliter la gestion des dossiers d'urbanisme. La règle de calcul de la superficie des lots est également modifiée pour faire en sorte que la largeur minimale d'un lot ne soit pas calculée sur l'ensemble de sa profondeur. Cette modification concerne l'ensemble des catégories de construction et d'usage. Le règlement 2099-2 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire sur la division du territoire en zones ainsi que la superficie et la dimension des lots. Celui-ci a reçu l'approbation des personnes habiles à voter. Outre les coûts de préparation du règlement, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable. Attendu que ce conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure de modification express. Attendu l'avis de motion donné le 25 avril 2022.
Attendu qu'à la suite de l'Assemblée publique de consultation tenue le 9 mai 2022 à 20h, ce conseil ne désire apporter aucun changement aux dispositions proposées dans le projet de règlement. Attendu que les dispositions susceptibles d'approbation référendaire du présent règlement ont été soumises à l'approbation des personnes habiles à voter et sont réputées approuvées par celles-ci. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement numéro 2099-2 du 24 mai 2022, modifiant le règlement de zonage 1253 et le règlement de lotissement 1254 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. André Beaulieu propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Découragez-vous pas. Là. Écoutez, on arrive au point 14, mais on a à peu près, il nous reste autant de pages à lire. Là. Fait que, il y a 26 pages, on est rendu à page 13. Point 14, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement 2100, amendant le règlement 1237 afin d'augmenter le fonds de roulement. Je déclare que l'adoption du règlement 2100 vise essentiellement à augmenter le fonds de roulement de la municipalité d'une somme de 300 000 $ appropriée à même le surplus accumulé non affecté du 31 décembre 2021. Conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, le fonds de roulement sera porté à un montant de 8 050 000 afin de mettre à la disposition de la ville les deniers dont elle a besoin au fin de sa compétence. Ce règlement a été précédé du dépôt d'un projet de règlement et d'un avis de motion lors de la séance du Conseil tenue le 9 mai 2022. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement ou en obtenir copie en communiquant avec le service du greffe et des affaires juridiques au 418-867-6715 ou par courriel au greffe@villerdl.ca. Outre les coûts de préparation du règlement et de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et les frais mentionnés pour les utilisateurs, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 569 de la loi sur les cités et villes, attendu que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal de 10 223 924 $, soit 20 % des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité, attendu que la municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant de 7 750 000 $, attendu que ce conseil juge opportun d'augmenter le fonds de roulement de la municipalité d'une somme de 300 000 $ afin de mettre à la disposition de la Ville les deniers dont elle a besoin au fin de sa compétence, attendu que l'adoption du présent règlement a été précédée du dépôt d'un projet de règlement et d'un avis de motion au cours de la séance du lundi 9 mai 2022. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement numéro 2100 du 24 mai 2022, amendant le règlement numéro 1237 du 28 mars 2000 afin d'augmenter le fonds de roulement. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Ce que je peux vous donner comme info, là, présentement, le fonds de roulement est utilisé à la hauteur de 2 929 720, ce qui nous reste un solde disponible de 5 120 280 $. Le point 15, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement d'emprunt 2101, décrétant une dépense et un emprunt de 246 721 $ pour la construction d'un bloc sanitaire et la réfection du mur de soutènement au Parc des Princes. Je déclare que le règlement 2101 a essentiellement pour but de procéder à la construction d'un bloc sanitaire et à la réfection du mur de soutènement au Parc des Princes. Le coût des travaux est estimé à 246 721 $ et cet emprunt est d'une durée de 10 ans. En vertu de l'article 556 de la Loi sur les cités et les villes, ce règlement est susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter du territoire de la ville. Un avis public sera publié à cet effet dans le journal Info Dimanche, mercredi 25 mai, pour informer l'ensemble des citoyens du processus de la procédure d'enregistrement. Le règlement 2101 a été déposé et fait l'objet d'un avis de motion par le conseiller André Beaulieu lors de la séance ordinaire du 25 avril 2022. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement 2101 sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement ou en se présentant au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel de Ville. Outre les coûts de préparation du règlement, de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et du montant de la taxe qui sera imposée, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que ce conseil souhaite procéder à la construction d'un bloc sanitaire et à la réfection d'un
du mur de soutènement au Parc des Princes, attendu l'estimation du chef de la division travaux publics, M. Marc-Antoine Fauché, au service technique et de l'environnement de la Ville, attendu qu'un avis de motion ait été donné et qu'un projet de règlement ait été déposé lors de la séance ordinaire du lundi 9 mai 2022. En consequence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 2101 du 24 mai 2022, décrétant une dépense et un emprunt de 246 721 $ pour la construction d'un bloc sanitaire et la réfection du mur de soutènement au Parc des Princes. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Puis pour ce projet de règlement-là, l'avis public va être dans le journal demain, mercredi 25 mai. Le point 16, déclaration de la greffière adjointe et adoption du règlement d'emprunt 2102, décrétant une dépense et un emprunt de 2 875 502 $ pour la construction d'un lien piétonnier entre le Parc de la Croix et le Parc des Chutes, ainsi que des travaux de sécurité à la voie ferrée. Je déclare que le règlement 2102 a essentiellement pour but de procéder à la construction d'un lien piétonnier reliant le Parc de la Croix au Parc des Chutes et de réaliser des travaux de sécurité à la voie ferrée. Le montant total du coût des travaux est estimé à 2 875 502 $ et cet emprunt est d'une durée de 20 ans. En vertu de l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, ce règlement est susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter du territoire de la ville. Un avis public sera publié à cet effet dans le journal Info dimanche, mercredi 25 mai, pour informer l'ensemble des citoyens du processus de la procédure d'enregistrement. Le règlement 2102 a été déposé et fait l'objet d'un avis de motion par le conseiller Steve Drapeau lors de la séance ordinaire du 9 mai 2022. Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement 2102 sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement ou en se présentant au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel de Ville. Outre les coûts de préparation du règlement de publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur et du montant de la taxe qui sera imposée, ce dernier n'entraîne aucun frais additionnel pour le contribuable en date des présentes. Attendu que ce conseil souhaite procéder à la construction d'un lien piétonnier entre le Parc La Croix et le Parc des Chutes, ainsi que des travaux de sécurité à la voie ferrée. Attendu qu'un avis de motion ait été donné et qu'un projet de règlement ait été déposé lors de la séance ordinaire du lundi 9 mai 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 2102 du 24 mai 2022, décrétant une dépense et un emprunt de 2 875 502 $ pour la construction d'un lien piétonnier entre le Parc de la Croix et le Parc des Chutes, ainsi que des travaux de sécurité à la voie ferrée. Steve Drapeau propose. André Beaulieu appuie. Madame la greffière, je demande le vote sur cette proposition. Oui, c'est bien, M. Thériault. Madame Samson. Édith Samson, pour. Nelson Lepage, pour. Steve Drapeau, pour. André Beaulieu, pour. Carl Thériault, contre. Fait que l'avis public, journal demain. Fait que les processus vont tout être inscrits là-dedans. Si vous avez besoin d'informations aussi au bureau du greffe, sans problème. C'est bon. Fait qu'on passera au point suivant. Le point 17, adoption du règlement 2103, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Attendu que ce conseil peut adopter et modifier des règlements d'urbanisme en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, suivant les dispositions qui s'appliquent. Attendu que ce conseil juge opportun d'effectuer des ajustements à la réglementation d'urbanisme dans le cadre d'une procédure de modification express. Attendu l'avis de motion donné le 24 mai 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil adopte le projet de règlement 2103 annexé à la résolution modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Fixe l'assemblée publique de consultation au 13 juin 2022 à 20h à la salle du conseil située au 65 rue de l'Hôtel de Ville. Édith Samson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. C'est adopté. C'est bon. Fait que c'est pour l'entreprise CIMT, là, c'est dans le secteur là, Frontenac de la chute. Là, c'est que dans le fond, CIMT veulent changer leurs affichages. Ils vont mettre, c'est comme des, ça ressemble à des télévisions, là, mais que l'éclairage va être selon la clarté du jour. Fait que le soir, si on veut, ça va être plus sombre pour pas que ça éclaire trop. Fait que c'est tout, ça a tout été étudié, déposé au CCU. Fait qu'on, puis le conseil a aussi accepté ça. Fait que c'est une nouvelle façon d'afficher. Le point 18, acquisition du lot 4 059 258 avec Revenu Québec et offre d'acquisition d'une parcelle du dit lot à la société Mario Chapdelaine 1987 incorporée.
Attendu que la Ville a débuté un processus avec Revenu Québec en décembre 2020 visant à obtenir des bons, de bons et valables titres de propriété sur le lot 4 059 258 du cadastre du Québec, prolongement de la rue de la Cour, attendu que sur ce lot sont situées des infrastructures d'utilité publique suivantes: une partie de la rue des Peupliers, l'intersection entre les rues des Peupliers et des Ormes, des conduites d'aqueduc et d'égout, un sentier pédestre en gravier reliant à l'extrémité ouest de la rue de la Cour à l'extrémité est de la rue des Peupliers, comprenant des bancs et un système d'éclairage. Attendu qu'il est dans l'intérêt public que la Ville puisse demeurer propriétaire de ce lot pour permettre la libre circulation des citoyens sur les infrastructures d'utilité publique ci-avant mentionnées, ainsi que pour préserver les investissements réalisés sur celui-ci. Attendu que le processus avec Revenu Québec sur le point de se conclure et que Revenu Québec cédera ce lot gratuitement à la Ville, sous réserve que son utilisation demeure affectée à l'utilité publique. Attendu que la société Mario Chapdelaine Inc. a démontré de l'intérêt à acquérir une partie de ce lot pour permettre la réalisation d'un projet qui demeure à être présenté à la Ville. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil mandate le service du greffe et des affaires juridiques pour conclure la procédure d'acquisition du lot 4 059 258 auprès de Revenu Québec. Déclare qu'il est prêt à céder à la société Mario Chapdelaine Inc. une parcelle de terrain faisant partie du lot 4 059 258 d'une superficie approximative de 1622,4 m² sur présentation des éléments suivants. Le promoteur dépose un projet complet en conformité avec les lois et règlements en vigueur, et ce, au plus tard le 30 septembre 2024. Le promoteur démontre à la satisfaction de la Ville qu'il a objectivement besoin de la parcelle sollicitée du lot 4 059 258 pour réaliser son projet. Réitère que toute cession éventuelle d'une partie de l'eau acquise par l'entremise de Revenu Québec sera soumise à l'approbation préalable de cet organisme gouvernemental, lequel exigera le versement d'une compensation financière en contrepartie que la société Mario Chapdelaine Inc. devra s'engager à défrayer. Déclare finalement que les honoraires professionnels de notaire et d'arpenteur géomètre seront à la charge de la société Mario Chapdelaine Inc., que la présente offre soit notamment assujettie aux conditions suivantes. La clôture de l'acte notarié officialisant la cession devra se faire au plus tard le 30 juin 2025, que le dit acte notarié contienne une date de début et de fin de travaux et qu'à défaut de respecter ces délais, que la Ville puisse exercer une clause résolutoire valide pendant une période de 5 ans suivant la clôture de l'acte. Steve Drapeau propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Dans le fond, c'est le bâtiment là, des l'ancienne orphelinat là, sur la rue Fraser. Là. Il y a un terrain qui est en arrière de ça, que la Ville a aménagé un sentier piéton. Puis nous, on aurait la possibilité, M. Chapdelaine va présenter son projet. S'il démontre qu'il a besoin vraiment du terrain, bien, on s'engage à y en vendre. Bien, on va y céder une partie, mais il faut falloir qu'il compense Revenu Québec à ce moment-là. Le point 19, approbation d'un projet d'acte de servitude à intervenir avec gestion David Dubé incorporé, Lise Fillion et André Dubé. Attendu qu'il y ait lieu de régulariser la situation d'une conduite d'aqueduc traversant certains lots entre les rues Hayward et de l'Ancrage. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil approuve le projet d'acte de servitude annexé à la résolution à intervenir avec gestion David Dubé Inc., Mme Lise Fillion et M. André Dubé, afin de permettre le maintien, l'entretien, la réparation et le remplacement d'une conduite d'aqueduc et ses accessoires et d'une servitude par destination du propriétaire entre les rues de l'Ancrage et Hayward, et autorise le maire et la greffière à signer le dit acte pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Que cette résolution remplace à toute fin que de droit toute résolution antérieure sur le même sujet, notamment les résolutions 044-2020 du 10 février 2020 et 099-2022 du 14 mars 2022. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Bien, les frais reliés, là, les frais d'arpentage et de notaire, dans le fond, sont à la charge de la Ville. Le point 20, approbation d'un projet de bail à intervenir avec les cultures J. Pelletier incorporées. Attendu qu'une terre agricole en exploitation est située sur le lot 4 983 949 du cadastre du Québec, circonscription foncière du Témiscouata, lequel lot est propriété de la Ville de Rivière-du-Loup. Attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville que ce lot continue d'être exploité jusqu'à ce qu'elle en ait besoin aux fins du lieu d'enfouissement technique. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil approuve le projet de bail annexé à la présente résolution à intervenir avec les cultures J. Pelletier Inc. concernant la location d'une partie du lot 4 983 949 du cadastre du Québec et autorise le maire et la greffière à signer le dit bail pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Édith Samson propose. Steve Drapeau appuie.
C'est adopté. Dans le fond, c'est une parcelle, c'est un assez grand terrain. Je ne sais pas la dimension, là, mais c'est vraiment à l'est du lieu d'enfouissement technique. C'est sur le même site, mais à l'est. Dans le fond, nous, on fait la location de cette terre-là qui sera cultivée par monsieur les cultures Pelletier. On lui loue là, la parcelle de terrain 1500 $ par année plus taxes. Puis il y a une indexation de 2 % par année par la suite. Mais la dimension, là, je sais que c'est une grande superficie, mais ouais. Au pire, on reviendra en conclusion avec ça. Le point 21, approbation d'un projet d'acte de droit d'usage temporaire à intervenir avec Mme Marie-Noëlle Cyr. Attendu qu'il y a lieu de régulariser un empiètement exercé par la résidence construite au 88 rue du Rocher, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil approuve le projet d'acte de droit d'usage temporaire annexé à la résolution à intervenir avec Mme Marie-Noëlle Cyr afin de permettre le maintien et l'entretien de l'empiètement exercé par la résidence 6 au 88 rue du Rocher et autorise la greffière adjointe à signer le dit acte pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, là, oui. Dans le fond, là, c'est une parcelle du Salarium, là, que quand ça a été arpenté, en tout cas, il est comme une parcelle de terrain de la ville dans l'emprise. Fait qu'on lui loue à la dame, là, c'est 85 $ par année plus taxes, plus 2 % par la suite. C'est sûr que si un jour elle défait son Salarium, elle aura plus de droits acquis, là. Fait que s'il arrive un incendie, peu importe, là, c'est pas à souhaiter, mais s'il arriverait quelque chose, t'sais, on reviendra pas avec ça, elle va se conformer, mais là, on voulait pas l'obliger à défaire une partie de son Salarium, là, pour ça. Monsieur le maire, oui. Pour les points 22 et 23, je me retire pour des liens d'affaires. Merci. Merci. Le point et, Monsieur le maire, pour votre question, oui. C'est 127 792 mètres carrés. Oui, fait que c'est grand. Le point 22, acceptation d'un protocole d'entente à intervenir avec Espace Centre-Ville pour la tenue du projet La Festive. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du développement économique, accepte le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec Espace Centre-Ville en vue de la tenue du projet La Festive au cours de la période estivale 2022 et autorise le maire à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Autorise les employés du service technique et de l'environnement à installer l'équipement nécessaire à la tenue de l'événement et voir la configuration des voies de circulation du secteur concerné. Édith Sanson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. En fin de compte, là, on revient avec sensiblement le même projet que l'année passée. Ça va se tenir du 17 juin au 10 septembre. La rue La Fontaine, là, dans le même secteur, là, à partir de l'Estaminet, si on veut aller jusqu'à la rue Frontenac, va être sur une voie comme c'était. Il y aura des activités, c'est sûr, des aménagements. Espace Centre-Ville vont faire le lancement de leur campagne, si on veut, puis ça sera eux là, qui feront la présentation du projet comme tel, mais ça revient pour cette année. Le point 23, renouvellement des protocoles d'entente relatifs à l'aménagement de terrasses au centre-ville. Attendu la volonté de maintenir le dynamisme du centre-ville des activités économiques de la rue La Fontaine, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le renouvellement des protocoles d'entente pour l'aménagement de terrasses pour l'occupation d'une partie de la voie publique pour la période estivale 2022 et autorise le maire à signer les différents protocoles pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Ben, c'est les terrasses qu'on a sur la Fontaine, là, Foubrassin et ainsi de suite. Là. Il y a, je pense, c'est 6 entreprises là, qui ont des terrasses. Le point 24, approbation d'un protocole d'entente à intervenir avec le regroupement d'artistes Voir à l'Est, Art contemporain et la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand Portage. Il est proposé et appuyé que ce conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec le regroupement d'artistes Voir à l'Est, Art contemporain et la Société de sauvegarde du patrimoine du Grand Portage concernant une exposition d'œuvres au manoir Fraser et le versement d'une aide financière versée dans le cadre de l'entente de développement culturel intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications et autorise le maire et le directeur du service des loisirs, culture et communautaires à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Dans le fond, là, on donne 6 000 $ à Voir à l'Est, puis eux, ils font de l'animation aussi au manoir Fraser à l'étage. Ils vont mettre des sculptures, des cadres, puis aussi sur le terrain, là, quand il fait beau, là, il y a des activités à l'extérieur. Fait que Voir à l'Est, dans le fond, anime, si on veut, une partie du manoir Fraser, puis nous, en contrepartie, selon les ententes culturelles, on verse 6 000 $ à Voir à l'Est pour faire ça. Le point 25, autorisation à vendre et servir des boissons alcoolisées au chalet de la Côte-des-Bains lors de présentations de spectacles.
Il est proposé et appuyé que ce conseil autorise l'organisme Trajectoire Homme du Cœur TV à présenter une demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour la vente et le service de boissons alcoolisées pour consommation sur place les 18 et 25 juin 2022, 2, 16, 22 et 30 juillet 2022, 6, 13, 20 et 27 août 2022, de 17 h à 22 h à l'intérieur du chalet de la Côte-des-Bains, situé au 80 rue Maquet à Rivière-du-Loup et propriété de la ville de Rivière-du-Loup. Carl Thériault propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 26, approbation d'une lettre d'entente à intervenir avec le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN, division Colbleu. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de la directrice du service des ressources humaines, approuve la lettre d'entente annexée à la résolution à intervenir avec le syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, CSN, division Colbleu, concernant la création de la fonction de préposé au terrassement et l'autorise ainsi que le chef de la division travaux publics à signer la dite entente pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Dans le fond, on ne crée pas un poste, là, c'est vraiment une fonction. Pendant l'été, on a des cols bleus qui ont vraiment une spécialisation au niveau du terrassement. Donc, ces gens-là sont affectés parce que de plus en plus, quand on fait des travaux, ça devient compliqué des fois d'avoir des entreprises en terrassement qui sont disponibles au même moment que nous. Donc, ces employés-là, ils vont être attitrés à cette tâche-là pendant la période. Le point 27, approbation d'un contrat de travail à intervenir avec Mme Jessie Carole-Anne Michaud. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation de la directrice du service des ressources humaines, approuve le contrat de travail annexé à la résolution à intervenir avec Mme Jessie Carole-Anne Michaud concernant le renouvellement de son contrat à titre de préposé animalier au service de sécurité incendie pour la période du 8 juin 2022 au 7 juin 2023 et autorise le directeur et chef aux opérations de service de sécurité incendie à signer le dit contrat pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de ceci. Autorise cette dernière, conformément à l'article 147 du Code de procédure pénale, à délivrer un constat d'infraction pour une infraction à une loi, un règlement, une résolution ou une ordonnance du Conseil relativement à toute disposition concernant les animaux sur son territoire et en vertu desquelles la ville de Rivière-du-Loup est poursuivante. Nelson Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Dans le fond, Mme Michaud, c'est une pompière à la ville de Rivière-du-Loup. Puis ça, là, c'est pas dans le cadre de son travail régulier. Si on veut, c'est que sur appel, elle peut être appelée 2 heures, 3 heures, bien, selon ce qui est prévu dans l'entente. Mais pendant qu'elle fait ce travail-là, elle va gagner 17 et 34. Dans le fond, elle est préposée à la fourrière, si on veut. Quand quelqu'un appelle, trouver un chat, peu importe, elle se déplace, puis elle récupère l'animal, puis c'est elle qui s'en occupe, si on veut, à la fourrière. Le point 28, confirmation de contributions financières versées dans le cadre du programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier. Attendu que 3 demandes de subvention ont été déposées dans le cadre du programme de soutien en milieu municipal en patrimoine immobilier, mis en place par le ministère de la Culture et des Communications et adopté par la MRC de Rivière-du-Loup par son règlement numéro 274-1 du 20 janvier 2022, pour lequel une enveloppe budgétaire annuelle de 250 000 $ a été allouée pour les années 2022, 2023 et 2024. Attendu que les 12 avril et 10 mai 2022, le comité consultatif d'urbanisme recommandait au conseil, dans le respect des critères contenus au dit règlement, l'octroi de subventions pour 4 projets. Attendu que ce conseil juge opportun d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme des 12 avril et 10 mai 2022, en conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et en conformité aux critères contenus dans le programme et à l'entente de fourniture de services intervenue avec la MRC de Rivière-du-Loup pour la gestion du programme d'aide à la restauration en vertu du règlement numéro 274-1 de la MRC de Rivière-du-Loup, confirme l'octroi des aides financières suivantes. Pour la récipiendaire, Mme Brigitte Leblanc, du 71 rue Fraser, les travaux étant la reconstruction de la base de la verrière en bois et installation des fenêtres en bois de la verrière en façade d'avant pour un montant maximal accordé de 8 658 $. Pour le récipiendaire, la bouffée d'air du KRTB 9 rue du Domaine, les travaux sont la restauration de la toiture de la galerie en façade en tôle à baguette de type traditionnel pour un montant maximal accordé de 6 825 $. Pour le récipiendaire, M. Marc-André Poirier, au 1 rue Iberville, les travaux sont la restauration de la maçonnerie en briques jaunes des 3 cheminées du bâtiment principal pour un montant maximal accordé de 4 913 $. Pour la récipiendaire, Mme Ginette Mauger, au 59 rue Beaubien, les travaux sont la restauration de la toiture par le retrait du bardeau 17 d'existant et le remplacement par un revêtement de tôle à baguette pour un montant maximal de 45 357 $. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté.
Le point 29, autorisation à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Aide aux immobilisations, volet réalisation de travaux de restauration d'un bien patrimonial immobilier. Attendu le programme d'aide aux immobilisations, volet réalisation de travaux de restauration d'un bien patrimonial immobilier du ministère de la Culture et des Communications. Attendu que la glacière du manoir Fraser doit être restaurée. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Aide aux immobilisations, volet réalisation de travaux de restauration d'un bien patrimonial immobilier du ministère de la Culture et des Communications et autorise le maire à signer tous les documents requis à cet effet ainsi que la convention d'aide financière à intervenir pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de ceci. Confirme l'intention de la ville de Rivière-du-Loup d'assumer tout dépassement de coûts éventuel. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. On a une soumission là, de 21 153 $ puis on est établi avec une subvention à 50 % de ça. Fait qu'on, dans le fond, on fait une demande de subvention là, pour faire la réparation de la glacière. Le point 30, autorisation de procéder à un emprunt en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2090, travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour 2022. Il est proposé et appuyé qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt numéro 2090 concernant la réalisation de travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures de rue pour l'année 2022, ce conseil prie la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup, d'avancer à la ville sur billet signé par le maire et le trésorier une somme n'excédant pas 800 000 $ En reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payables à demande, à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Le point 31, autorisation de procéder à un emprunt en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2092, réfection de la rue Jolie entre Desjardins et La Fontaine. Il est proposé et appuyé qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt numéro 2092 concernant la réfection de la rue Jolie entre les rues Desjardins et La Fontaine, ce conseil prie la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup, d'avancer à la ville sur billet signé par le maire et le trésorier une somme n'excédant pas 1 890 078 $ qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payable à demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci, les renouvellements en tout ou en partie. Nelson Lepage propose. Édith Samson appuie. C'est adopté. Point 32, autorisation de procéder à un emprunt en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2093, réfection de la rue Saint-Elzéard entre les rues Saint-Pierre et La Fontaine. Il est proposé et appuyé qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt numéro 2093 concernant la réfection de la rue Saint-Elzéard entre les rues Saint-Pierre et La Fontaine, ainsi que les travaux préparatoires du nouvel émissaire de drainage pluvial et le contrôle qualitatif des rejets, ce conseil prie la Caisse populaire des Jardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup, d'avancer à la ville sur billet signé par le maire et le trésorier une somme n'excédant pas 4 305 875 $ qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payables à demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. Édith Samson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Le point 33, emprunt au fonds de roulement pour financer des projets d'investissement. Il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le trésorier à procéder à un emprunt au fonds de roulement conformément au montant indiqué au tableau ci-dessous. Pour le projet véhicule de prévention, un emprunt de 48 160 $ pour un amortissement sur 5 ans, un remboursement annuel de 9 632 $ et la date du premier remboursement étant le 1er juin 2023. Pour le projet acquisition vieux manège, pour un emprunt de 97 000 $ sur un amortissement de 10 ans, pour un remboursement annuel de 9 700 $ et la date du premier remboursement étant le 1er juin 2023, ça totalise un emprunt de 145 160 $ Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. Merci. Écoutez, on parle acquisition du vieux manège. Pour ceux qui savent c'est où, il est présentement vieux manège sur la rue Jolie, c'est le 26 Jolie, je ne me trompe pas. Il y a 6 ou 7 organismes communautaires qui sont là-dedans. Ça fait plus d'un an, là, ils ont approché la ville. Bien, ça va faire un an, c'est en juin dernier, 2021. Les gens qui sont là, bon, ils ont de la difficulté à rencontrer les obligations financières de paiement pour
pour l'entretien, je veux dire, pour payer le terme de ce bâtiment-là. C'est une coopérative qui est là, c'est des bénévoles qui tiennent ça à bout de bras, c'est... très, très généralement, c'est des gens qui travaillent dans les organismes communautaires. Il manque de main-d'œuvre eux aussi. Fait qu'ils ont approché la ville, ils ont dit, écoutez, nous, on serait prêts à vous le vendre pour ce qui reste à payer dessus. Fait que là, c'est pour ça qu'on a 97 000 $ puis on met un petit peu plus parce que c'était 80, il reste autour de 95 000 là, mais 2 000 de plus, c'était pour payer les honoraires professionnels, si on veut. Fait qu'on... Suite à ça, bien, écoutez, on a demandé une évaluation là, du bâtiment. Fait que, y a-t-il des travaux majeurs à faire dans les prochaines années? On a fait un carnet de santé sur les 12 prochaines années. C'est un bâtiment qui est coté A au niveau des réparations. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien. C'est un bâtiment qui est, si on veut, qui a toujours été bien entretenu. Puis là, on a fait un proforma avec les organismes qui sont là. Fait qu'on va récupérer une partie du logement qu'on va mettre de côté, des loyers, des locataires qui sont là, qu'on va mettre de côté pour des, mettons, réparations futures. Puis là, soit dit en passant, là, on va le payer 95 000, mais le bâtiment, il vaut 412 000 piastres. Fait que... on se dit que pour aider des organismes communautaires, parce que probablement qu'ils auraient été obligés de remettre les clés, ces gens-là auraient été... évincé de là, se retrouver un local au prix qu'ils payent là, il y aurait eu de la difficulté. Les organismes communautaires, on sait que c'est pas des organismes les plus financés dans nos programmes, si on veut, pour un paquet de raisons, mais M. Tantôt faisait allusion justement à un panier de Noël, tout ça, mais ces organismes-là viennent aussi aider à nos citoyens qui sont plus dans le besoin, autant financièrement, des fois qu'émotivement. On trouvait important à la Ville de pouvoir embarquer avec eux dans ce projet-là. Puis, tu sais, pour les citoyens, dans le fond, on disait des fois, le patrimoine, c'est important. Écoutez, c'est 1910, je pense, le bâtiment qui date. Donc, on récupère ça. On va garder ces locataires-là. Ils vont être capables de continuer à donner du service à nos citoyens. Puis, en contrepartie, bien, on va aller chercher une partie de location qui va nous aider à se faire un petit fonds pour pouvoir prévoir des réparations dans le futur. Mais l'évaluation a été quand même très bien faite. On a eu un rapport détaillé de ce qu'il y aurait à faire là, pour les 12 prochaines années. Fait que il n'y a rien dans l'urgent là, qui nuit à la santé du bâtiment et à son intégrité. Fait que on trouvait que... T'sais, on a investi beaucoup dans le sport, la Ville. On est là pour nos jeunes, pour nos athlètes. On l'a fait pour nos familles communautaires. On a tout le temps supporté aussi par différents programmes. Puis là, ben, on vient montrer que oui, on est en arrière d'eux, puis c'est important. Puis je vais vous dire que ça a enlevé une pression énorme à ces gens-là qui tenaient ça à bout de bras. Fait que ça leur rend une sécurité pour la suite des choses, pour le, si on veut, pour leurs organismes respectifs. Le point 34, contribution financière ponctuelle versée à l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, l'AFEAS. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité chargé d'analyser les demandes déposées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes socio-communautaires, autorise le trésorier à verser à l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, AFEAS, une aide financière ponctuelle de 300 $ dans le cadre du volet anniversaire. Édith Sanson propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Monsieur le maire, pour le prochain point, je me retire pour un lien d'affaires également. OK. Important de souligner que l'AFEAS, c'est son 50e anniversaire. Le point 35, contribution financière à la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du développement économique, accepte la demande d'aide financière de la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup et autorise le trésorier à verser une somme de 500 $ à titre de soutien à l'organisation de l'événement Bull et Gin qui se tiendra le 4 juin prochain. Nelson Lepage propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Le point 36, appui au projet de dragage d'entretien au quai de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du directeur du service du développement économique, appuie le projet de dragage d'entretien au quai de Rivière-du-Loup de la Société des traversées du Québec et qu'une copie de la dite résolution soit envoyée au Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, et au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. On sait qu'il va y avoir un BAP. On a vu ça passer dernièrement. Fait que nous, on donne l'appui à la STQ pour qu'ils puissent continuer de draguer comme ils l'ont fait par les années passées au quai de la Pointe de Rivière-du-Loup. Le point 37, appui à la société portuaire dans le cadre de leur stratégie de développement. Attendu le fait que dans le cadre de l'étude d'opportunités pour le lien fluvial Bas-Saint-Laurent-Charlevoix menée actuellement par la Société des traversées du Québec, cette dernière analyse l'option de déménager la traverse des installations de Rivière-du-Loup vers le port de Gros-Cacouna
Attendu que la position de la ville de Rivière-du-Loup dans le dossier de la traverse est de favoriser de façon conjointe le développement des deux ports, celui de Rivière-du-Loup pour le volet récréo-touristique et celui de Gros-Cacouna pour les volets commercial et industriel, plutôt que d'opposer les deux options. Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé le 12 mai dernier des investissements de plus de 10 millions afin de consolider la vocation commerciale et industrielle du port de Gros-Cacouna. Attendu que la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qui est notamment responsable de la gestion et du développement du port de Gros-Cacouna, a récemment adopté une planification stratégique quinquennale avec des objectifs spécifiques pour chacun des ports sous sa juridiction. Attendu la vitalité et l'effervescence des activités commerciales et industrielles au plan régional, dont les récentes annonces consolidant la présence d'entreprises majeures de Rivière-du-Loup au port de Gros-Cacouna, notamment le groupe Lebel et Souci Industriel. Attendu que le port de Gros-Cacouna dispose de vastes superficies ainsi que des facilités d'entreposage uniques dans l'Est du Québec qui peuvent répondre aux besoins des entreprises de région et que le port de Rivière-du-Loup se trouve dans un secteur à forte valeur ajoutée pour les touristes et les voyageurs en transit. Attendu que la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie préconise deux axes de développement pour le port de Gros-Cacouna, soit le transit de marchandises en vrac et la réparation de navires, et le gouvernement du Québec cautionne cette vision de développement. Attendu que le fait que la stratégie de développement du port de Gros-Cacouna s'arrime avec les orientations exprimées dans la stratégie maritime du gouvernement du Québec, notamment de permettre des disponibilités de développement prometteuses pour toute la région de Rivière-du-Loup, comme le précise la Société portuaire. Attendu que la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie a identifié à l'intérieur de sa planification stratégique 2021-2026 l'arrivée éventuelle de traversée dans la zone portuaire de Gros-Cacouna comme une menace à son développement futur, considérant les conflits d'usage potentiels que provoquerait l'achalandage quotidien du traversier. Attendu que la Société portuaire est d'avis que l'accroissement important du trafic engendré par les mouvements journaliers d'un éventuel traversier dans la zone portuaire de Gros-Cacouna va à l'encontre de l'avis de précaution émis en 2016 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et d'ailleurs toujours en vigueur, mettant en garde le ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les conséquences d'un accroissement du trafic dans la zone du port de Gros-Cacouna, notamment sur la population locale de Beluga. En conséquence, il est proposé et appuyé que le conseil municipal de la ville de Rivière-du-Loup tient à féliciter le gouvernement du Québec et la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pour les investissements qui seront réalisés au port de Gros-Cacouna et souligne par le fait même la qualité de la stratégie de développement adoptée ainsi que les objectifs ambitieux qui s'y rattachent dans une perspective de développement économique, régional, durable et prospère. Steve Drapeau propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Écoutez, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Un investissement comme ça, à Gros-Cacouna, c'est important. Depuis le début de mon mandat que je dis qu'il faut développer nos ports conjointement, hein, touristique, Rivière-du-Loup, Gros-Cacouna, commercial, industriel. Avec une annonce comme ça, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Puis ce qu'il faut retenir, là, c'est une perspective de développement économique régional. Moi, je pense régional à ce moment, dans ce dossier-là, puis dans paquet d'autres dossiers, mais c'est hyper important, fait qu'on salue l'initiative des investissements qui ont été faits. Le point 38, remise de bourse au prix personnage 2022. Il est proposé et appuyé que ce conseil, sous la recommandation du comité de sélection chargé d'analyser les candidatures des prix personnage 2022, accepte les nominations proposées et autorise le trésorier à verser une somme représentant 5 bourses de 250 $ à être remise aux différents lauréats lors de l'événement. Édith Samson propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. C'est sûr, je ne peux pas voler le punch, là, mais le 6 juin, il y a la remise des prix personnage, fait que les lauréats seront connus. Ce que je peux vous dire, par contre, il y a 5 catégories. C'est pour ça 250 $ par événement. Si on veut, il y a la catégorie employeur, employé, citoyen ou citoyenne engagé, l'organisme puis parents soutien. Le point 39, achat d'un couvert pour le souper du 50e anniversaire de fondation de l'AFEAS de Rivière-du-Loup. Il est proposé et appuyé que ce conseil autorise le trésorier à verser une somme de 30 $ taxes incluses à l'AFEAS de Rivière-du-Loup pour l'achat d'un couvert pour le souper organisé à l'occasion du 50e anniversaire de fondation qui se tiendra le 4 juin prochain à l'hôtel Lévesque et autorise le maire à y représenter la ville. Steve Drapeau propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Point 40. Condoléances au conseiller Nelson Lepage à la suite du récent décès de son beau-père. Il est proposé et appuyé que ce conseil transmette ses plus sincères condoléances à M. Nelson Lepage, conseiller du district de Saint-Patrice, à sa conjointe Lynn Desjardins, ainsi qu'aux membres des familles Desjardins et Bérubé, à la suite du récent décès de son beau-père, M. Louis-Philippe Desjardins. André Beaulieu propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté.
Le point 41, avis de motion, règlement 2103, modifiant le règlement de zonage 1253 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Madame Édith Samson. Alors, Monsieur le maire, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, je présenterai pour adoption le second projet de règlement 2103, modifiant le règlement de zonage 1253 du 28 août 2000 dans le cadre d'une procédure express de modification réglementaire. Le projet de règlement 2103 est disponible sur le site de la Ville au villerdl.ca/règlement/S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci. Avant de passer à la période de questions, écoutez, on a commencé notre séance sur les chapeaux de roue. Je voulais salutations à Nelson Lepage qui est revenu avec nous. Fait qu'on est bien content de te revoir, Nelson. Il est revenu avec nous la semaine dernière. Fait que bon retour en poste. On va essayer de ne pas trop te maganer. Fait qu'autour de table, Mme Samson, avez-vous un petit quelque chose? Pour ce soir, M. le maire, ouais. Rien à signaler. Merci beaucoup. Même chose pour moi, M. le maire. Merci. Merci. C'est beau, M. le maire. Merci. M. Thériault? Oui, M. le maire, si vous me permettez de m'exprimer sur mon vote de l'article 16 de l'ordre du jour sur le lien piétonnier. Brièvement, là. Moi aussi, comme plusieurs l'ont dit, que c'est un très, très beau projet. Effectivement, c'est un très, très beau projet, mais très, très cher en même temps. C'est un projet de passerelle initialement qui est passé dans une deuxième étape à une promenade. Et c'est presque évidemment un super belvédère dans le haut de la ville. C'est évident que c'est très beau. Donc, c'est pas la même idée qui avait été émise au départ, qui était qu'une simple passerelle, sur laquelle passerelle on n'a pas de prix actualisé là, actuellement, à moins qu'il y en ait, mais que je ne connais pas. J'ai voté contre parce que, comme le soulignait M. Charron, là, il y a tout le contexte financier. Nous autres, à la Ville, on va avoir un nouveau rôle d'évaluation. On a des ratios financiers à respecter. Pour les prochaines années, il ne faudrait pas trop les approcher. Ça ne serait pas une bonne idée. Il y a le contexte économique global qui n'est pas très bon. On parle de ralentissement économique, comme vous l'avez dit, M. Charron. Peut-être une récession et une inflation à 7 %. Il y a la hausse vertigineuse des coûts de construction, tout le monde le sait, là. Moi, personnellement, finances publiques, j'ai une tendance à être très, très, très prudent. Est-ce que c'est un excès de prudence de ma part? Je ne pense pas, mais l'avenir le dira. Je me dis toujours que si je me trompe, je le dirai franchement. J'ai pas de problème avec ça. Mais je me rappelle, et je vais vous faire rire peut-être, là, parce que vous vous rappelez de l'ex-premier ministre Jean Chrétien qui disait qu'à un moment donné, quand on n'avait pas les moyens de rouler en Cadillac, qu'on roule en Chevrolet, vous vous rappelez de ça, il avait fait rire bien du monde. Bien, en ce qui nous concerne, quitte à changer plus tard le Chevrolet, si on peut et quand on le veut, et peut-être dans un autre moment qui serait un meilleur moment. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. Monsieur... Non, merci, c'est bon. Monsieur le maire. On passera à la période de questions sur l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. L'article 12, monsieur Bastille. Oui. Concernant le stationnement, je pense que vous venez d'ouvrir une porte en permettant le stationnement le soir ou de nuit sur le règlement qui était interdit dans le passé. Oui, c'est sûr qu'on ouvre une porte. Vous savez comme moi que le pêcheur, c'est un petit poisson dans le nez, puis quand il a fini, ça prend une remorque pour l'embarquer dans le bateau. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes pour le déneigement, parce que vous savez que quand c'est la parade de Noël, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites à la radio à l'effet de ne pas stationner sur la rue Lafontaine, et quand la parade passe, il y a encore des voitures, ouais, ils ne sont pas capables de rejoindre les propriétaires. Bien, on fait un test, M. Bugeaud. Écoutez, c'est sûr que dans la période de déneigement, si les autos sont là, il y a du remorquage possible aussi. Mais écoutez, on fait un test. On dit qu'il y a plein d'autres villes au Québec qui font ça comme ça, que les stationnements de nuit sont permis. Sauf que des fois, justement, quand il y a des opérations de déneigement, bien, il va y avoir, mettons, un côté de rue que tu ne pourras pas te stationner, tu vas pouvoir l'autre côté. Mais écoutez, on va le faire avec nos équipes aux travaux publics. C'est sûr qu'on va lancer la politique de déneigement pour l'automne 2022. Ça va être inclus dans ça aussi, là. Fait qu'on s'essaie. On avait des demandes depuis plusieurs années. Il y a des gens qui ont des blocs appartements, ils n'ont pas assez de stationnement, les locataires sont obligés de stationner dans la rue. Bon, on fait un test, là.
je vous dis, là, puis Gérald, il m'entend, là, on en a parlé ensemble aussi, là, fait qu'on, avec le conseil municipal, avec la commission de transport, on fait un test pour l'hiver 2022-23, puis on verra par la suite si c'est concluant ou non. C'est sûr que cette année, novembre-décembre 2021, ont été propices à pouvoir se stationner dans la rue, mais janvier-février-mars, puis même avril 2022, c'était pas winner trop, mais on fait un essai, M. Bugeaud. Je me suis déjà fait dire d'aller stationner dans le stationnement du CHSLD. Il faut si je voulais stationner. Ça fait OK. En tout cas, ah ouais. Je vous dis que vous ouvrez une porte, puis vous allez... Oh oui, non, c'est sûr. C'est sûr qu'on ouvre une porte. Moi, j'aurais maintenu le règlement, parce que pour permettre au déneigement plus facile que courir après quelqu'un puis une remorque en pleine nuit... Non, c'est sûr que si on voit que c'est problématique, on peut avoir une vitesse de reculons. Alors, là, ça change le règlement. OK. C'est bon. 15. L'emprunt. Règlement de greffière adjointe d'adaptation de règlement d'emprunt 2101. Oui. Ici, je remarque bloc sanitaire. J'ai le règlement 2101 ici. Bloc sanitaire, 140 000 $. Oui. Est-ce que c'est une toilette comme le parc dans le parc des Chutes ou bien que c'est une... Non, d'après moi, on fait le bloc au complet, le bâtiment. Là. Je ne sais pas si vous avez des... Mais ce que je comprends, c'est ça. Là. On refait la toilette au complet. Là. On rebâtit ça en eux. Là. D'accord. C'est sur l'aménagement d'un bloc sanitaire. Là, moi, que M. Tremblay me corrige, là, c'est vraiment l'ensemble du bâtiment qui est revu. Non, parce que c'est ça. Moi, je m'informais pour le bloc sanitaire. Est-ce que c'est une toilette comme on fait au parc qui a coûté une fortune en passant? D'accord. Maintenant, la reconstruction du mur de soutènement. Est-ce que ça va être des blocs qui vont venir de Rimouski comme le mur sur la rue Fraser-Rambeau ou bien ça va être des contracteurs du coin ici, M. Bastille? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on essaie de faire l'achat local, mais là, des fois, je ne sais pas, ça dépend des quantités puis du montant, parce que des fois, il faut aller sur les SAO, mais là, écoutez, je ne sais pas comment ça va en prendre exactement, là, mais... J'ai manqué le début de la question, pouvez-vous la revenir? Les blocs. Si le mur de soutènement, ça va prendre des blocs pour faire le mur de soutènement, M. Lagacé? Oui. Est-ce que ça va être achat extérieur ou que ça va être... M. Tremblay, est-ce qu'on donne ça en contrat à l'ensemble ou c'est on y va en régie? On y va l'ensemble, donc plus que le projet dépasse 105 000 $, on va aller en soumission. On va être au plus bas soumissionnaire conformément à la loi. Il n'y a rien dans le règlement de soumission qui oblige le contracteur à acheter localement? On ne peut pas faire ça. Non. C'est comme diriger. Je ne comprends pas. Vous faites de la publicité d'acheter localement, acheter panier bleu, puis quand c'est temps d'une soumission qui dépasse 105 000 $ ouais, c'est wide open pour le contracteur. Bien, c'est les règles. Quand on est en bas de 105 000, on va sur invitation. Généralement, les gens locaux sont invités à soumissionner. On peut aller sur, comme je vous dis, sur invitation, mais au-delà de ça, bon, on est régi par des lois et des règlements. On n'a comme pas le choix. C'est sûr qu'on aimerait ça, mais si on exige ça dans le contrat, je pense pas que ce soit bien légal. Je sais pas si... Non. On va selon les spécifications de produits, mais on ne peut pas déterminer la provenance du produit. Là. C'est malheureux. C'est très malheureux. On va y aller avec l'article 32, monsieur... Non, pas 32. L'article 16. J'avais dit que je reviendrais. Oui. Pardon. Si je regarde le PTI, j'en avais de moi ici, monsieur Bastille. Oui. Il n'y est pas programmé la passerelle au-dessus de la voie ferrée. Il n'y a rien concernant le projet de la voie de la passerelle de deux. Oui, bien, il doit, ben, me semble que... Je... Oui, il n'est peut-être pas sur ce nom-là. Là. Ouais. Oui, c'était 1,8 au total, me semble, dans le PTI. Oui, mais c'est ça, regardez, au pire, on regardera après, là, mais je sais qu'il est dedans, mais il ne s'appelle pas nécessairement passerelle, lien piéton, entre. C'est sécurisation de la... C'est le projet 2020-755-1-1 qui s'appelle passerelle et aménagement de sécurité voie ferrée CN. Je vais regarder tout à l'heure parce que je ne voyais pas de passerelle, rien du tout. Je me demandais à ce moment-là, est-ce que le 2,8 million était en surplus de la dette? Parce que, vu que, selon moi... Là, en surplus de ça? C'est la différence entre les deux. Tu sais, mettons, s'il est à 1,8 dans le PTI, puis on s'en sort à 2,8, c'est la différence entre le prix que vous avez, puis ça. Puis ça, c'est des évaluations sommaires. Comme M. Tremblay disait, il y a des évaluations qui ont été faites au début des années 2010, que vous avez parlé tantôt, là. Actualisé. Mais regardez comme il faut, là, vous, c'est le document là, que vous avez 2022-23-24 avec vous. Oui, j'ai ça ici. Ah, bien, regardez la ligne que M. Lagacé vous a dit. Prévision, le PTI 2022-23-24. Ouais, regardez cette ligne-là. Là, avez-vous le numéro de page, M. Lagacé? Non, ben, moi, je l'ai dans le fichier Excel. OK. C'est 50 000 pour un jeu.
Je vais regarder ça, M. Lagacé. Ouais. Je vais regarder ça. En passant, je félicite M. Thériault d'avoir levé la main pour s'opposer, parce que je me suis fait dire l'automne passé que personne ne levait la main pour pas que la radio Daniel Saint-Pierre dise le lendemain que la chicane était poignée au centre-ville. Ah oui. Les frais ici... Je regarde les honoraires professionnels, 144 000 pour la passerelle. Est-ce que c'est les frais d'architecte, M. Bastille, ou bien que c'est à part les frais d'architecte? Bien, c'est frais architecte-ingénieur, les deux. Les oui. Architectes et d'ingénierie, 144 000 $. Oui. C'est beau. Ben, je n'ai pas le chiffre en avant de moi, mais j'y vais par cœur, là, mais c'est ça qu'il y avait tantôt. Ouais. D'accord, c'est tout pour le moment. Merci. Ça marche. Oui. C'est la page 4. Page 4, cinquième projet, M. Bugeaud. Si vous voulez regarder, Nelson dit que c'est page 4, cinquième projet de la page 4 du PTI. Oui, bonsoir, Daniel Levasseur. Bonsoir, M. Levasseur. Le numéro 5. 5, oui. Participe à la construction aux deux rues du Faubourg. Oui. Dans le libellé, notre greffière nous a lu concernant les arbres. Et si jamais... la construction attaque les arbres qui sont là, on est prêt à les changer pour des petits arbres. Ah, et les arbres qui sont là sont énormes, ils sont gros, ils sont beaux, ils sont solides. Et là, on ouvre la porte encore à couper des arbres, comme à la dernière réunion que j'étais pas ici. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de dévastation pour l'école et des arbres qui ont été coupés, des forêts qui ont été coupées à blanc. Et là, on ouvre la porte à un promoteur qui a déjà quelques blocs d'appartements sur ce terrain-là, que si jamais ça affecte les arbres, ben, il va être capable de les couper. Donc, je m'imagine que les arbres vont être coupés, moi. Bien, écoutez, on a mis des dispositions en place pour pas qu'ils soient obligés de travailler près des arbres. On amène le réseau d'aqueduc, il va se collecter un petit peu plus loin, ça va être conforme, là. Mais on a demandé une expertise aussi au niveau des arbres. Ce qu'on sait, c'est que... écoutez, je pense qu'il y a quoi? Il y a trois gros arbres, là, mais il y en aurait un ou deux. L'évaluation qu'on a eue au CCU, il serait plus en fin de vie. C'est ça. La porte est ouverte, ils vont être taillés. Ils en ont déjà coupé un, puis il était en excellente santé. Ça fait que là, vous ouvrez la porte, est-ce que deux gros arbres tombent? Il va en rester un. J'imagine que ça va être celui qui va être proche de pare-brise expert. Ça va pas dans notre politique de l'arbre que vous avez écrite. Bien, dans la politique, on parle de reboisement. On parle aussi, bien, c'est sûr qu'on a fait le programme. Là, on peut donner des 80 $ sur les arbres que les gens vont acheter. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est plate à dire, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Est-ce que présentement, on a des besoins en habitation? Ça peut rentrer là. C'est sûr que, M. Levasseur, puisque vous amenez comme questionnement, on l'a eu au CCU, là. Ça a été amené. Le projet, la première fois qu'il a été déposé, a été refusé. On a dit retournez faire vos devoirs parce qu'eux autres, ils le faisaient plus près des arbres. On a demandé que ça soit plus loin des arbres. Ils ont regardé aussi par rapport à la dimension de l'arbre, le système racinaire qu'ils vont avoir en dessous. T'sais. Ils ont fait une évaluation. Ils nous ont déposé quand même quelque chose, je pense, qui tient la route. On a demandé aussi à notre parc Bas-Saint-Laurent qui travaille pour nous aussi de voir, bon, mais tu sais, il y a des arbres là-dedans qui sont en fin de vie, qui éventuellement, de toute façon, devront être abattus au niveau de la sécurité. Mais l'objectif est de les conserver, là. Tu sais, on a mis des règles en place assez serrées pour qu'ils soient capables de le faire sans attaquer les arbres. On en verra bien. Oui, oui. Parce que dans le projet drôle que ce 6 logements-là revient un coup que le projet qui a été accepté par la ville, des trois blocs appartements qui sont là, ça a été accepté, c'était conforme. Puis là, on revient encore avec un 6 logements qui était. On additionne encore ce terrain. 13. Je remarque que depuis quelque temps, on a procédure express de modification réglementaire. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire versus on a d'autres projets là ou d'autres d'adaptation, approbation. Bien, écoutez, on fait deux trains semestriels par année, là, un au printemps, un à l'automne.
Puis là, des fois, il y a beaucoup de projets. Là. On en passe peut-être 10, 12, là, des gens qui ont des modifications à faire. Fait qu'on en fait ça en bloc, printemps, automne. Mais entre ça, il y a des gens, des fois, ils disent, ah, le printemps, ça va être, c'est, à l'automne, c'est trop loin. Ou bon. Fait que là, ils payent 1000 $ puis ils font une demande express. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Ils veulent pas attendre le train normal. Ils veulent le faire entre ces périodes-là. Fait qu'ils ont la possibilité de le faire parce que des fois, il y a des gens qui peuvent avoir un projet puis là, s'ils disent qu'il faut que tu attendes 6 mois avant le train, ils vont dire, bien, nous autres, on veut le faire tout de suite puis on va payer 1000 $ pour le faire. Mais ils n'ont pas plus d'avantages que ça. Je veux dire, c'est une nouvelle expression parce que je l'avais pas vue avant, celle-là. OK. Oui, bien, ça fait longtemps. Écoutez, moi, ça fait 8 ans. Ça arrive pas souvent dans une année, mais ça peut arriver une fois de temps en temps qu'il y a un promoteur qui décide, moi, je veux pas attendre, puis je paye le 1000 $ Ça, il y a un 1000 $ de frais là-dessus. Oui, tout à fait. Tandis que dans le train semestriel... C'est gratuit. C'est gratuit. Oui. OK, ça, je me souviens de ça. Numéro 18. Versus Mario Chapdelaine, son projet ou son futur projet, je vois que ça avance un peu. Oui. Je suis content de voir que ça avance, parce que j'avais une question qui était hors d'ordre du jour, fait que là, c'est dans l'ordre du jour. Je suis content que ça avance et que M. Chapdelaine pourra mettre son projet à terme. Oui, on l'a rencontré 3 ou 4 fois. Là. Moi, je l'ai rencontré 2 fois seul, puis on l'a rencontré en équipe aussi. Là. Effectivement, c'est un... Ça sera une belle conclusion là, si ça peut fonctionner comme on le souhaite puis comme il le souhaite. OK. Numéro 14. Simplement une demande. C'est un... On a fait un ajout au fonds de roulement. Oui. Dans cet article-là, l'article 3 ou 3.2, c'est composition du fonds de roulement. On a toutes les dates d'ajout au fonds de roulement. Mm-hmm. Est-ce que ça serait possible d'ajouter les emprunts au fonds de roulement? Je sais pas. Tout est possible, là, mais c'est parce que tous les emprunts qui ont été faits au fonds de roulement, vous voulez dire les emprunts qui ont cours présentement ou tout ce qui a été fait depuis... Non, ceux qui sont en cours. Oui. Bien, écoutez, c'est sûr que c'est pas ça que la loi nous demande. Si vous voulez en faire une demande, on pourra vous donner la liste des règlements d'âme, pas des règlements, mais des emprunts qui ont été faits au fonds de roulement. Emprunts actifs. Des emprunts actifs. On parlait de 2 929 000. Oui, c'est ça, effectivement. Emprunts au fonds de roulement. Il faut comprendre que les emprunts au fonds de roulement peuvent être remboursés sur une échéance de 5 ans, sur 10 ans. Donc, on a cette liste-là à jour, on pourra vous la transmettre, mais on n'a pas l'obligation de publier ça là, à chaque séance. Je pense que la séance a été suffisamment longue ce soir. Pas à chaque séance, monsieur. Mais c'est quoi? Finalement, lorsque vous faites un ajout au fonds de roulement, ouais. Vous avez fait rajouter 300 000 là, au fonds de roulement. Mettre des plus puis des moins. Là. Je vois que toute la composition du fonds depuis le début... Comment que le fonds de roulement est composé? Est-ce que ce serait possible d'avoir les emprunts à jour au fonds de roulement? Je vais en parler à la greffière, là, mais écoutez, je... Peut-être le total, là. Voulez-vous chaque... Parce que généralement, moi, je me trompe, là, mais quand on fait... On a fait une affectation au fonds de roulement, on le passe en séance. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on le fait régulièrement à chaque fois. Exact. Mais je comprends que peut-être là, ça... Là, écoutez, on va regarder comment qu'on peut le faire, là. Il faudrait se faire un tableau Excel, peut-être, ce qui rentre, ce qui sort, puis... C'est bien, merci. Ça marche, M. Lavasseur. Fait que sur l'ordre du jour, aviez-vous d'autres questions? Sinon, on va aller sur les points hors ordre du jour. Hors ordre du jour, on est rendu là. C'est bon. La séance est assez longue, hier soir, tout de suite. Oui, c'est long. Mais vous aviez quelque chose à expliquer dès le début, M. Bastien. Oui. Je voulais prendre le temps de le faire. Je veux juste avoir une information. Vous savez qu'il y avait eu une tornade à des places, des provinces où les arbres ont tombé sur des maisons, tout ça. Si un arbre ici tomberait sur une maison, c'est aux frais des propriétaires à réparer la maison? Bien, c'est les assurances, généralement. C'est l'assurance, parce que j'ai une amie pas loin de chez moi, il y a un arbre qui est en train de se séparer. OK. Elle a fait venir la ville pour voir si elle peut le couper. OK. Après 15 jours, petite manade est venue. Ça prend un rapport. Oui. 15 jours après, pas de nouvelles. Il y a 2 arbres de mort en arrière, elle dit c'est mort. Mais je pourrais couper. Non, ça prend le rapport. Non, c'est sûr que ça prend. Personnellement, M. Bastier, si ça serait chez moi, la scie mécanique aurait passé dans l'arbre, ça ferait longtemps. Parce que j'attendrais pas que l'arbre tombe sur la maison, puis après ça, me débattre avec les assurances. Maintenant, qu'on manque de main-d'œuvre, les contracteurs n'ont pas le temps.
Je ne vois pas l'intérêt de niaiser ça 15 jours de temps pour dire « coupe-les l'arbre, tu peux en planter un autre, je n'ai pas de problème. Oh » oui. Entre 15 jours et plus pour donner une permission ou faire un rapport pour un arbre qui est en train de tomber ou qui est en train de rouvrir, qui pourrait tomber sur une maison. Puis là, est-ce que quelqu'un qui est passé voir l'arbre à date? La ville. À date, j'ai pas vu mon ami. Non, non, parce que, tu sais, elle a fait une demande à la ville. La ville envoie un inspecteur pour évaluer. Mais là, ce que vous savez, parce que là, ça fait deux semaines, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui est allé, là. Pas personne, mais quand l'arbre est ouvert, M. Bastier, puis il y a probabilité, s'il arrive une tempête de... Oui, oui, non, non, il pourrait... C'est pas compliqué de dire, coupe-le, mais on exige que tu plantes un petit arbre. Ça, il n'y aurait pas de problème. Oui. Je vous dis, si ce serait chez moi, il serait coupé, définitivement. Après ça, si j'irais en cours ou en amende, je m'organiserais. OK. C'est malheureux de voir que la décision ne vient pas. Bien là, je peux pas vous dire. Là. Écoutez, d'habitude, là, ça prend-tu plus que deux semaines? Je sais pas. M. Bugeaud, là, fait une demande. Là. Est-ce qu'elle a rappelé votre amie pour s'informer où c'était rendu son... Elle a parlé demain, si elle est... Ah oui, puis revenez-moi avec ça. Là, je peux me permettre, ouais. M. Bassé, demandez donc à votre amie qu'elle m'appelle personnellement. Oui. Merci. Il n'y a pas de problème, M. Bassé. On va faire un suivi, c'est sûr. Maintenant, j'ai une dernière petite affaire. Si je prends mon boyau d'arrosage et j'arrose mon entrée d'asphalte, quand un gars de la ville passe, je vais avoir un amende, hein? Des bonnes chances. Oui, des bonnes chances pour tout ça. Maintenant, je vais poser une question à M. Tremblay. La dernière assemblée, le lendemain ou deux jours après ça, je m'en viens du boulevard de la Plaine, sur Témiscouata, et je vois le camion de la ville qui est en train de nettoyer l'entrée des portes des cloches à pastilles. L'entrée, je ne l'ai pas compris, celle-là. Je ne l'ai pas compris, je me disais... Ah ouais. Pas la rue, l'entrée des deux portes blanches. J'ai rien contre M. Bastille, là. Ce qui sont les cloches, qui étaient les cloches, ou ce qui sont encore là. Il y a deux grosses portes blanches. Et le monsieur est en train de nettoyer que le boyau, puis le camion de la ville, le gros camion de la ville. Je me disais, c'est le bout de la M. Mm-hmm. En manque de personnel pour faire les travaux publics à des places, il y a manque de personnel partout. Il faudrait s'informer pourquoi il était là, effectivement. Là. Écoute, y avait-tu des travaux à faire là, puis il est obligé de nettoyer avant? Je lance n'importe quoi, je le sais pas, M. Bugeaud. D'accord avec vous, M. Bastille. Mais écoutez, le directeur est là, puis il va regarder ça avec son équipe, là. Vous ne savez pas. Oui, ça fait combien de temps que vous dites? Ça fait deux semaines? Le lendemain de l'Assemblée, publique, ici, le lendemain ou deux jours après. OK. On vient à partir du boulevard de la Plaine, on vient de Témiscouata, je vois le camion de la ville, je dis, en bon français, j'ai dit, c'est le bout de la marde. OK. Il n'y avait pas de travaux à faire présentement. Ah oui, je ne sais pas. Mais... s'il y avait eu des camions avec des pelles, j'aurais compris quelque chose. Oui, oui, oui. Non, écoutez, on va s'informer, M. Bugeaud. Je ne peux pas vous dire d'autre chose que ça, je ne sais pas. Merci. Pour moi, c'est terminé. Merci. Rebonsoir, Audrey Morin. Donc, vous l'avez peut-être vu, début avril, le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC a été déposé. Il était mentionné là, qu'on a une fenêtre d'opportunité d'environ 3 ans pour agir, puis qu'il faut le faire de façon assez... radical. Donc, il y a des changements importants qui doivent être apportés. C'est sûr qu'à titre individuel, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Par contre, les décideurs ont un immense pouvoir là-dessus. Mi-avril, j'ai envoyé un courriel à M. Lepage. Une semaine plus tard, je vous ai envoyé un courriel aussi, M. Le Maire, puis je vous en veux pas du tout de ne pas m'avoir répondu. Là, il n'y a aucun problème. Là, Non. Bien, écoutez, moi, j'ai parlé de ça avec Marianne. Marianne Gagnon était supposée faire un suivi avec toi. J'en ai pas eu, mais... Non, mais c'est correct, mais on n'a pas l'habitude de pas répondre à nos courriels. Moi, j'en reçois plusieurs d'une journée, puis... Je suis vraiment pas là pour ça, répondre à vos courriels. Je suis plus là pour... Mais c'est important. Oui, mais merci. Parce que moi, j'avais parlé avec les gens, puis ils m'ont dit qu'ils s'occupaient de ça. Excellent. Bien, je vous remercie. Donc, j'aimerais ça savoir, bien, tant qu'à être ici, là, est-ce que la ville, bien, où vous en êtes par rapport à le développement du transport collectif? Tu sais, on entend beaucoup de choses là, par rapport au niveau du transport actif, puis c'est super positif de ce côté-là. Puis aussi, de plus en plus, là, avec la politique de l'arbre et le verdissement urbain, donc ça, c'est d'excellentes nouvelles, mais par rapport au transport collectif, j'aimerais ça savoir où vous en êtes. Puis j'aimerais ça également savoir si vous avez déjà envisagé la possibilité d'avoir... Bon, j'ai entendu qu'il y avait un comité aviseur pour le Parc des Chutes, mais un comité aviseur climat, peut-être, ou environnement, donc un comité citoyen. Il y a quelque chose à ce niveau-là, il y a un comité climat.
Par contre, écoutez, je demanderai à M. Lagacé, là, mais je sais qu'il y a des élus qui siègent là-dessus. Mme Edith, il y a Carl. Je ne sais pas si on a eu des... Il y a Chantal aussi. Je ne sais pas s'il y a eu des réunions depuis le début du mandat en novembre, là, par contre. Mais c'est pour ça que quand vous me posez la question, pour vous avoir répondu, c'est parce que j'ai parlé quand même un bout de temps avec Marianne sur le dossier de transport collectif pour avoir été au transport collectif adapté de la MRC pendant les 13 dernières années ou à peu près. Moi, j'ai amené des pistes d'avoir, de regarder. J'avais demandé à Marianne de faire un suivi, justement. Puis, je ne suis pas son boss, donc j'ai dit, tu demanderas des autorisations. Mais de regarder, mettons, Rimouski, parce que je sais qu'il se fait du transport collectif sans rendez-vous. Exemple ailleurs, dans des petites villes comme Rivière-du-Loup, parce que 20 000, c'est pas gros au Québec. Là. C'est une belle ville dans la région, mais au Québec, le système de transport, comment ça fonctionne, je te dirais que dans l'ensemble des MRC qu'on peut avoir, là, si on exclut là, les grandes villes, là, Laval, Longueuil, Québec, Montréal, dans des villes à peu près similaires comme les nôtres, ou même aller jusqu'à 30 000 de population, écoute, Drummondville puis Saint-Hyacinthe, là, je sais qu'à Saint-Hyacinthe, c'est la MRC qui gère le transport, puis ils ont du transport un peu sans rendez-vous, mais c'est très embryonnaire comparé à Montréal ou Québec, puis c'est une grosse ville. Fait que Rivière-du-Loup, arriver avec ça, il n'y a rien d'impossible. Ça dépend tout le temps qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher comme montant d'accompagnement, de subvention, parce que présentement, ce que j'ai offert, c'est vraiment du transport collectif en milieu rural. C'est ce qu'on a comme subvention avec le programme du MTQ, c'est les volets 2, puis on n'est pas admissible à... Écoute, je pense, là, quand je suis parti, c'était 225 000 de subventions par année au MTQ. Puis après ça, les municipalités puis la MRC mettent des sous. Il y a un budget de fonctionnement d'à peu près 350 000 au transport collectif. Fait que tu es en mesure de comprendre qu'avec 350 000, tu vas pas loin avec ça. Fait que c'est sûr que si éventuellement la ville veut aller plus loin, puis moi, c'est pour ça que je demandais à Marianne de voir à Rimouski, parce que je le sais que Rimouski, eux autres, il y avait un budget de 2,5 millions à peu près, 4 autobus qui circulaient sans rendez-vous, puis que le taux d'achalandage était quand même pas fort. Puis moi, j'avais ressorti à un moment donné, là, il y a quelques années, le pourcentage de monde vis-à-vis par rapport à notre MRC qui pouvait prendre le transport, le nombre de transports collectifs qu'on faisait dans une année, puis ça pouvait représenter à peu près 8 à 10 % de la population qui l'utilisait. Puis quand je regardais des statistiques de Montréal ou Québec, ils tombaient à peu près dans les mêmes eaux, un peu plus, mais malgré tout le système de transport qu'il y avait, métro, autobus, sans rendez-vous, rien... Il restait un pourcentage de la population quand même, un fort pourcentage qui utilisait pareil leur véhicule, puis peut-être prenait la marche ou les vélos. Mais c'est sûr qu'en 2022, il faut se poser la question. Puis c'est ce que j'osais avec Marianne, de quelle façon on pourrait aller à une deuxième vitesse en transport collectif. Moi, je le sais que je l'ai déjà expérimenté avec la ville de Rivière-du-Loup dans mes premières années au transport Voisy, où on avait essayé des projets de dire on fait du transport collectif sans rendez-vous à Rivière-du-Loup. On l'a fait. On l'a essayé. Sur des journées. C'était pas sur du long terme parce que ça coûtait énormément cher. Je sais qu'Autobus Mayou, écoute, étant plus jeune, là, je te dirais, j'avais peut-être bien 12 ans dans ce temps-là, 15 ans, ils l'ont expérimenté aussi, ils faisaient des circuits dans la ville sans rendez-vous, mais le taux d'achalandage n'était pas là. Mais on recule de plusieurs années. Donc, peut-être que maintenant, ça pourrait fonctionner. Mais c'est de voir, justement, tu sais... On pourrait aller dans l'autobus électrique parce que si on le fait en autobus à gaz ou à diesel, on va se promener 100 km par jour pour embarquer 3-4 clients, ça n'a aucun sens. Là. Non, je pense que ça doit venir avec des mesures à côté, peut-être, oui, des incitatifs pour la population à prendre les transports collectifs, mais aussi des découragements à utiliser la voiture solo. Je pense qu'on est rendu là en raison de la crise climatique. Effectivement, mais écoute, c'est un gros chantier. C'est pas un chantier qui est facile. Marianne me disait, ben écoute, tu sais, le maire de Rivière-du-Loup qui a été DG pendant 13 ans du transport, il a une idée comment ça fonctionne. Fait que moi, j'ai dit, je peux participer à ça s'il y a des comités de travail ou peu importe, avec d'autres élus aussi, puis avec des directeurs de services, puis peu importe. Mais c'est juste de savoir jusqu'où qu'on peut aller. Puis j'ai demandé à Marianne de me faire une espèce de petit répertoire de ce qui se fait autour, puis je veux dire, dans des villes similaires à nôtres ou un peu plus grandes, puis voir, prendre des exemples de ce qui peut se faire ailleurs. Parce que moi, les dernières infos que j'avais, on regarde même Drummondville, je parlais avec la mairesse de Chambly. Ils ont du système en transport en commun, mais beaucoup sur réservation. Puis on est dans des villes de quand même de grande envergure. Fait que
C'est un peu ça. On est content de voir qu'il y a du mouvement pour ça. Puis pour, vous avez glissé un mot, il y a un comité climat aussi? Oui, il y a un comité climat. Effectivement, il y a un comité climat qui est formé. Il y a des citoyens là-dessus. Okay. La composition du comité m'échappe un peu, mais il y a effectivement cette préoccupation-là. Parfait. La Ville a aussi produit un guide à l'intention des promoteurs sur les meilleurs pratiques de construction par rapport au changement climatique. Ce guide-là, je l'ai sur mon bureau. Là. Personnellement, de temps en temps, j'en parle aux gens lorsqu'ils viennent me consulter. Puis, on est en train de travailler aussi sur un guide des promoteurs, là, avec M. Tremblay, entre autres, puis Marianne, et au service de l'urbanisme, parce qu'effectivement, il y a des... Comment je dirais ça? La ville de Rivière-du-Loup, c'est 20 000 de population. C'est pas nous qui vont changer tout le climat sur la planète, mais je pense qu'on peut faire chacun notre petite part, minimalement, puis peut-être que ça va engendrer un mouvement collectif à long terme. Mais donc, oui, on y croit, puis on y travaille. Je vous remercie. Bonsoir. Deux petites questions. Oui. La première, concernant l'OUDI, le rapport du ministère des Affaires municipales et des Habitations en novembre 2019, est-ce que les recommandations dans ce rapport-là ont tous été faites? Oui. Oui. Oui? Oui. Ce qui avait à être corrigé a été corrigé. OK. Ah, j'en ai peut-être une troisième. En tout cas, une autre question. Versus la dernière assemblée, est-ce que je peux poser de la question à M. Thériault? Bon, oui. M. Thériault, à la dernière assemblée, vous avez fait une allocution pour sur la vitesse sur la rue du Plateau. Il semblerait que c'était difficile d'avoir les services de la sûreté de la MRC de Rivière-du-Loup pour faire du radar et ainsi de suite. Est-ce qu'on a demandé que ce soit qu'il y ait plus de surveillance sur la rue du Plateau versus les plaintes des citoyens? Je ne sais pas si au niveau de la gestion, on a eu des informations, mais moi, j'en ai pas eu, mais je vais probablement demander rapidement demain ou après-demain, parce qu'effectivement, il faut savoir si on va augmenter ou rester au même niveau de surveillance de la patrouille, parce que c'est une question de sécurité pour les jeunes familles puis les enfants dans ce secteur-là, tout le secteur. Quand vous me dites d'augmenter ou de garder la même surveillance, ça veut dire que c'est pas la ville qui décide. On demande, moi, ce que j'ai fait il y a, mon Dieu, déjà presque 3 semaines, c'est de faire une meilleure surveillance du quartier, parce qu'il y a des policiers aussi qui demeurent dans le quartier, et j'ai appris entre-temps, là, mais que les patrouilles soient les plus effectives et possibles en fonction des effectifs de la Sûreté du Québec. J'ai pas de rapport combien de présences semaine ou présences par mois, mais je vais probablement ressasser le dossier dans les tout prochains jours. OK. Parce que si ma mémoire est bonne, pour entrer sur la rue du Plateau, les camions n'ont pas le droit de rentrer là. Non, bien là, c'est sûr que quand la construction... À part la construction, ouais, ça c'est normal. Il ne faut pas que ça soit une voie de transit, là, un 53 pieds qui s'en va à l'auberge de la Pointe, mettons, pour faire de la livraison qui passe par là, ça n'a pas de sens, là. Mais c'est supposé. À ce moment-là, il n'y a pas de surveillance qui se fait là non plus, là. Bien, on a fait des études de circulation, puis ce qu'on voyait, c'est sûr que oui, on ne voyait pas de gros camions, là, parce qu'on est capable de savoir les mesures des véhicules qui passent là, à part les autobus scolaires, là, mais je veux dire, dans le gros camionnage, non. Là, c'est sûr que présentement, comme Carl dit, je sais que Carl, effectivement, il a envoyé, ça fait 3 semaines au minimum, si ce n'est pas un mois, il s'est adressé à son policier parrain. On a tout un policier parrain, puis on fait des demandes, puis ils se doivent de répondre à nos demandes. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas mettre un char de police là en permanence, là, sur la rue des Plateaux, mais au moins qu'ils se fassent voir. Puis s'il faut qu'ils interviennent, bien, qu'ils donnent l'étiquette. Puis Carl, bien, écoute, je t'invite à me tenir au courant, là, si tu as des nouvelles, mais on va regarder ça de notre côté aussi. Là. Si vous permettez, M. le maire, moi-même aussi, j'ai intervenu suite au courriel que M. Thériault m'avait demandé.
de mémoire, deux fois, j'ai demandé à la Sûreté du Québec d'augmenter la surveillance dans ce secteur-là. Et aussi, aux services techniques, j'ai demandé qu'on installe des plaques là, sur la voie publique. Donc, on est capable de mesurer est-ce que c'est une perception qu'on a que les gens vont vite ou si c'est réel. Donc, ces plaques-là vont venir nous donner des statistiques parce que on a beau demander des interventions de la Sûreté du Québec. Effectivement, on n'a pas de rapport nécessairement de ce qu'ils font, à moins qu'on le demande. Effectivement, on pourra adresser cette demande-là. Mais encore faut-il, vous savez, on est dans ce secteur-là, dans une côte, là, principalement lorsqu'on quitte Beaubien puis qu'on descend la rue des Plateaux. Puis c'est des gros véhicules, parce que oui, il y a effectivement la construction qui se fait dans le développement du projet de M. Dickner, mais il y a aussi le projet qui est en train de se construire, le secteur du village vert. Donc, quand c'est des gros camions, puis qu'on est sur le bord de la chaussée, plus le camion est gros, plus il nous apparaît rouler rapidement. Entre l'apparence puis la réalité, ce qu'on souhaite, c'est avoir des vraies statistiques, et ça, ces statistiques-là ont été demandées pour deux objectifs. Un, revenir avec une demande officielle au niveau de la Sûreté du Québec et démontrer qu'il y a une problématique. Et deux, ben, ça permettra aussi à la Commission transport et déplacement, s'il y a des réelles problématiques, de voir ben, comment on peut pallier à cette situation-là. Sous-question, est-ce normal qu'après trois semaines, une demande qui date de trois semaines, qu'on n'ait pas eu de réponse? Bien, généralement, ils ne nous donnent pas nécessairement une réponse. Ils peuvent se rendre sur place, puis c'est peut-être à nous de les relancer. Là, ce que je comprends, on va demander un rapport, effectivement. Ils ont-ils émis des constats dans ce secteur-là? Ils sont allés combien de fois, combien d'heures? C'est des affaires qu'on peut demander. On ne les avait pas relancés. Honnêtement, moi, je ne l'avais pas fait. Là. Je suis honnête avec et vous. Et effectivement, on n'a pas de réponse systémique ou de... Chaque fois qu'on demande une intervention comme ça, on n'a pas un suivi officiel de la Sûreté du Québec à chaque fois. Mais quand on leur demande, ben qu'est-ce que vous avez fait, ben là, ils vont nous faire un rapport situationnel de quelles ont été leurs interventions, etc. Mais ce n'est pas automatique qu'on ait un rapport de ce qu'ils font. Vous comprendrez que la Sûreté du Québec, on préfère qu'ils interviennent sur le terrain que de dresser les rapports, mais bon. Mais je pense qu'on peut poser des questions. Ce serait normal qu'ils vous fassent des rapports versus des demandes. Parce que c'est nous autres qui les payent. On donne quelques millions pour ça. Mm-hmm. À la Sûreté municipale, c'était plus efficace que ça. Dernière petite question, excusez-moi pour ça, puis je reviendrai à l'ordre du jour. C'était au point numéro 16. Oui. Il va y avoir le règlement, ça va passer dans le journal. Oui, ça passe demain. OK. Combien de votes pour emmener la ville au référendum? Je ne sais pas si, Mme Maître Bourdage, vous l'avez de votre côté. Non, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Là. Je sais qu'il y a un calcul à faire, là, donc on fera des vérifications là, pour... Mais de toute façon, ce chiffre-là est vraiment mentionné de mémoire dans la vie publique. Ouais. Là, okay. Écoutez, ouais, ça doit dire que ça... Plutôt de dire un chiffre de croix, je regarderai la vie publique. Mais ouais. C'est plus de 1000 signatures là, que ça prend au registre, effectivement, mais le nombre exact m'échappe. Merci. Merci, M. Levasseur. Ça ferait le tour. Bien, merci à tous. Belle fin de soirée. Bon retour à la maison. Soyez prudents. Puis bon dodo.